Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. All right, guys, welcome back to SNB News, Le Quatuor. I got it? Yeah, you got it. Let's go. Let's go. Yo, let's go tranquille. Un mois, mon gars. OK, on est là. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, à ma gauche, on a Kaza, qui va être là tout le temps parce que la NBA est là, puis c'est un professionnel de la NBA. Il écoute de basket depuis qu'il est né en direct. Il connaît tout. Il connaît le nom des coachs. Il connaît les Hall of Famer, les histoires, les upsets. Non, les side chicks. Right. Et ça, on est avec aussi notre boy Miso God. What's up? Spenty. Et aujourd'hui, encore une fois, on va aller avec la NFL, NBA et Champions League. Et guys, parce que quelques fans ont demandé de parler plus des Canadiens et de Montréal, on va faire notre travail de notre côté. On va les regarder. Prochainement. Pas aujourd'hui, prochainement. Moi, j'ai jamais arrêté de les écouter. OK, mais moi, je viens de commencer. J'ai écouté comme la dernière game. Cofield? Cofield. Ah, my guy. Il aurait dû gagner depuis le overtime. Il manquait un wide open net, là. Bref, prochainement, on va parler des Canadiens. Bon, on va commencer à la NFL. Il y a eu beaucoup de games. Et il y a eu beaucoup de blessures et de changements. Dont la première blessure que je parlais, les Vikings. Le fameux Kirk Cousins. Kirk Cousins s'est blessé. Et là, ma question, c'est comment les Vikings passent présentement. Leur yin et leur yang ont switch cette année. Ma question, c'est est-ce que sans Kirk Cousins cette année, ils vont pouvoir se rendre. Ils vont pouvoir gagner les prochaines games, basically. Tu commences avec qui? Je commence avec Mesogod. Vas-y. Non. Faudrait, je pense, les Vikings. Comme, c'était pas une saison pour que je pense qu'ils allaient gagner beaucoup de games. Là, ils ont réussi à faire un upset la semaine passée contre les 49ers. Puis là, ils ont gagné. Ils ont gagné ça aujourd'hui. Oui, ils ont gagné. Kirk était là pour les trois. Ouais, ça, ils jouaient contre les Packers. Ils ont battu les Packers. Exact. Mais, Kirk Cousins, c'est un bon QB. Comme il fait ce qu'il a à faire, il fait ses stats. Il va donner une team qui est genre middle of the pack à playoff. Mm-hmm. Mais c'est pas genre un QB qui va te faire gagner un ring. Mais en ce moment, les Vikings étaient plus proches d'un rebuild que d'être un contender. So, je pense que ça, ce qui est arrivé. En plus, c'était sa dernière année. Là, il est out for a season. Eux, ils peuvent maintenant se dire, OK, on tank for real. Parce que là, ils avaient des joueurs que si tu dis je tank, comme les joueurs vont commencer à chialer, comme non. Maintenant, ils peuvent dire, bon, on n'a plus de QB, Jefferson est out. On peut tank comme in the open, puis personne ne va rien dire. Donc là, je pense pour eux, c'est quelque chose qui se dit, c'est une mauvaise situation, mais en même temps, ils vont dire, ben, on va tout en profiter, puis on va juste go pour. Reste on va se ramasser des picks, essayer de draft un QB probablement, parce que je pense pas que, je sais pas si Cousin va pouvoir commencer la saison next year, puis je sais pas s'ils vont le re-signer maintenant qu'il est injured, moi je pense que les Vikings c'est dead. Bah c'était déjà dead donc. Venti? Bah moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez c'est qui le backup Vikings? Négatif. Donc clairement, si tu connais pas le backup, clairement, tu vas pas gagner beaucoup de games. Écoutez, on sait tous l'histoire de Brock Purdy. Brock Purdy. Moi, depuis que Brock Purdy, tous les backups, c'est possible. 7-11. Gardner Minshew, même chose. Nick, Big Dick Foles. Non. Big Dick Minshew. Non, c'est Big Dick Minshew, mais back then, c'était Big Dick Foles. Puis lui aussi, c'est un backup qui est venu, qui a upset. D'accord. So, faut jamais dire jamais. On regarde le schedule. Next game, c'est Parkins. Très battable. Ouais, right. ouais. Saints, non. Parce que c'est pas. Attends, les Vikings donnent des problèmes aux Saints. On connaît leur histoire là avec le coach. Oui. Il y a ça aussi, mais les Vikings, check un contest aux Saints. Et Broncos, une game aussi très, très battable. Ouais. Bears, une game très battable. Raiders, un bon schedule. Un bon schedule. C'est chier. Donc, puis après ça, le plus difficile, c'est Bengals. Même les Lions, les Lions sont up and down. Donc, je pense que si le backup fait juste ce que Brock Purdy a fait avec les Raiders, parce qu'on s'entend que les Vikings ont quand même une bonne équipe, right? Ils ont des pions. Juste la un peu. Ils filment, ils font leur job. Ils pourraient gagner les prochaines games, guys. Yeah. Toi qui dis
que Brock Purdy a rien fait, c'est à cause de la team qui est autour de lui. Oui! Là, t'es en train de demander à un backup de faire la même chose sans une équipe autour de lui. Il y a Addison qui joue bien, mais il y a le tight end. Maintenant que ça va être un QB que personne respecte. Il y a un gant de shit. Il faisait déjà rien, by the way. Ouais. Madison. Ben écoute, moi je veux dire que il y a des changements de scheme, c'est pas terminé, le schedule est facile. Brock Purdy, tourne encore pour moi. Oh my god. Tourne encore pour moi. Décide-toi là. Non, je me décide, je vais juste dire que Brock Purdy a réussi à gagner des games. Ouais. Je me dis que Jared. Il a perdu avec une game depuis que Star. Avec un Super Bowl contender team. Je comprends. Et offense. Ça, c'est pas les Vikings. Pax. Mais je me dis qu'avec le schedule qui vient là-dedans, je pense que c'est possible qu'il y ait une histoire et qu'il gagne. Tom 5. Qu'est-ce que tu as des commentaires à dire? Je suis d'accord avec tous vos points. Mais j'aimerais dire. C'est quoi le nom du backup QB? On le connaît pas. Jaren Hall. Tu vois, on doit le Google. Ok, ben écoutez, moi, ok, j'aime ça, les underdog stories depuis le légendaire Jeremy Lin avec les New York Knicks. Lin, l'Insanity. Il y a plein de documentaires, look it up. Mm-hmm. Donc, peut-être que ça va arriver avec le backup QB des Vikings. Je souhaite ça à mon boy Jalil, mais je pense pas. Non. En plus, avec l'horaire easy qu'ils ont devant eux pour les. Next thing you know, il signe un QB dans la semaine pour venir le 27 pas. C'est le trade deadline, by the way, cette semaine. C'est possible. C'est mardi, je pense. Mardi ou mercredi, c'est le trade deadline. C'est qui est noteworthy, qui est available? Je sais pas, mais... Carson Wentz. Souvent, il va dire, yo, je veux jouer. T'sais, Carson Wentz va dire. Kaepernick va shoot sa shot. D'habitude, of course. Il est comme un bon sans figure. Toi, faut t'arrêter le hit, yo, OK. Non, c'est sans figure pour lui. Merci. OK. All right, next question. Bon, les Saints, l'équipe a mis au God. Yo, ta team est en train de se réveiller. Là, ils ont joué contre Colts, qui est une très bonne équipe aussi, right? On s'entend. Alvin Kamara a donné des stats, Derek a donné des stats, Chris Olave a donné des stats. Toi, donné des stats, ce game-là. Toi, puis la défense des Saints a toujours été présente, right? Donc, la question c'est, est-ce qu'ils vont être des contenders pour se rendre en finale de conférence? Non. Mise au garde, comment c'est? Non. Je ne believe pas en ma team. Tout ça, c'est juste du fluff. Genre, comme, ils vont faire une bonne game, puis là, tout le monde va recommencer à être dans le train un petit peu. Oh, ils ont des bons pistes, ils ont leurs camarades, ils ont des receveurs. Mm-hmm. Puis après ça, Derek Carr va chier dans tes mains. Next week. Quand tu le vois jouer contre une. La défense des Colts, c'est pas. Je vais pas dire qu'elle n'est pas trash, mais elle n'est pas boostée. Là. Dès que tu vas jouer contre des teams qui sont operational, tu vas voir la différence. Genre. Mm-hmm. Chaque fois qu'on a dû monter comme on a dû jouer contre une équipe qui est meilleure en défense, qui peut contain nos joueurs, on fait que mal. Là. So, ils ont joué contre les Jaguars la semaine passée, qui était une team qui a fait les playoffs. Ils sont en fait pétés. So, moi, je pense que quand ils vont jouer contre des playoff teams, tu vas voir la différence. Quand ils jouent contre des équipes qui, comme des up-and-coming teams, des équipes qui sont. Compete. Ouais, qui font juste compete. Ouais, là, ils peuvent flex sur eux, mais quand ils jouent contre les grosses équipes, là, ils n'ont aucune chance. OK. Senti? Je connais mon opinion sur Derek Carr. Je sais, bro. Mais je me suis dit, les gars, gang, là. C'est one good game. Comme ça l'arrive à tout le monde. One good game. Toi, ils ont perdu les deux games avant de gagner celle-là. He's washed. I'm sorry, Nikki. The Saints ain't going nowhere. Moi, je le dis ça. Écoute, ils sont 4-4. Moi, je pense que Derek Carr va enfin comprendre. Tu peux être toujours pas clutch toute ta carrière. Il faut comment t'apprendre tes erreurs. Et je trouve que maintenant, les Saints, tout le monde joue de manière healthy. Tout le monde essaie de vraiment gagner parce qu'ils ont le tank. Quand ils voulaient tank, Michael Thomas a pris 2 ans sabbatique. Kamara aurait pick une blessure out. Les gars auraient fait en semblant de ne pas vouloir jouer, ou créer tout pour ne pas jouer, et ils ont dit on tank. Là, cette année, les gars veulent jouer, ils veulent gagner, ils veulent se rendre loin. Moi, je pense que quand les gars veulent jouer, je pense que Derek Carr, s'il reste constant, il peut se rendre loin. Peut-être que la finale de conférence, c'est poussé, mais je pense qu'ils peuvent
La seule chose que je donne à Derek Carr, c'est qu'il y a beaucoup plus de weapons cette année que dans ces dernières années. Il y a Olave, il y a Shahid, Thomas, il y a Kamara, il y a Tyson Hill. Mm-hmm. So, yep. Saints, en offense, ils sont pas si pires. Là, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont donner en defense. Defense ont toujours été solides. Defense ont tout le temps été là. Exactement. Ils ont tout le temps été solides, bons ou corrects. C'est ça, même si t'as une bonne defense, si c'est ton QB qui fait des turnovers, t'es dead. L'affaire, c'est les Saints n'ont jamais vraiment tank. Ils ont toujours cru qu'ils étaient un super team. C'est pour ça qu'ils ont essayé des affaires avec Taysom Hill puis des vieux QB. Mm-hmm. Ils pensaient qu'on pouvait mettre n'importe quel QB puis on allait se rendre loin. Puis là, maintenant, ils ont encore une bonne team, mais je trust zéro Derek Carr. Puis ça va être surbranlant, là, le fait qu'ils fassent les playoffs. Ils vont pas faire les playoffs comme easy, comme... Même s'ils font les playoffs, franchement, exit. Comme ça, je le vois, moi. On a pas... Comme les Buccaneers, je les trust pas. Falcon, c'est tough, mais... Les Saints se sont pas démarqués pour dire que oh, on est vraiment meilleur que les deux autres teams qui compitent dans la division. So, on est comme la pire division de la NFL live. Vous êtes la pire division. Ça, je dis. C'est de Texan et tout là. Ouais, mais Jaguar, même là, cette année Texan est meilleur. So. C'est ça. Mais tu sais, Jaguar, Titan, ouais, j'avoue. Ça, mais cette année, comme Texan joue mieux, les Colts sont corrects. So, ce qui veut dire que le NFC South est maintenant la pire division dans le football. Mm-hmm. So, clairement, si vous faites les playoffs, on se fait bounce. Avec Arthur Smith qui ne sait pas comment utiliser Bijan Robinson. Ouais, yo, t'as vu à cause des Bears? À cause des Bears, ils ont pas dit qu'ils étaient malades. Ah, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu mon fantasy à cause de ça. Hein? j'ai perdu un de mes fantasy à cause de ça. C'est pas illégal, ça? Ils sont pas supposés vous. Les gars, faut ce qu'ils veulent. Il faut que tu dises aux gens qu'ils vont être malades. Regarde. Puis, that's cap. Moi, je suis un parieur, ok? Ouais. Puis ça fait comme des années, je le fais. Il y a une règle qui dit qu'ils doivent le dire une heure, ils doivent dire qu'est-ce qui se passe. Yo, les coachs, s'ils veulent pas le dire, ils vont pas le dire comme. Puis, non, ben, on prend, c'est tout. Mais, c'est pas, il était pas malade. On va tout se le dire. Wow, ouais. Il était pas mal. Il a fait quelque chose de fucked up pendant la semaine. Il s'est fait bench. That's it. Il fait les clubs. Moi, je rentre pas dans ce malade, pas malade. Cette affaire-là de pas faire jouer un gars comme ça, c'est pas une affaire pour avoir un fine comme ouais, ils vont se faire fine. Okay, okay. La NBA, ils se font même pas fine pour cette niaiserie-là. Mais la NFL est en train d'investiguer là-dedans pour voir si c'était vrai ou pas. Ben, ça dépend. Si le coach avait dit, ben, yo, s'il y avait une punition, il a fait quelque chose, ça aurait fini là. Il y a vu ça. Ouais, ça finit là. Mais c'est vraiment qu'il fait comme si de rien n'était, genre. Il y a eu un mal de tête avant la game. Ouais, non. Mais il a joué quand même un peu. Il y a eu genre 2-3 snaps. Exactement. Non, c'est sûr, mais je trouve qu'en effet, pour les Bears, c'est chiant, mais c'est la vie. Ouais. Puis je trouve que c'est histoire de avertir quand est malade et tout. Est-ce que c'est nouveau, ça, ou ça fait longtemps que ça existe? Non, ça fait longtemps que ça existe. OK. Parce que faut que tu sortes ton starting line-up avant la game. C'est ça. Comme, au soccer, c'est une heure avant la game, ton starting line-up doit être sorti. Faut que tu donnes ça aux arbitres. OK. Je sais pas comment ça marche pour les autres sports. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi le time lapse. Ou s'il était malade, là, d'habitude, ils savent avant, ils vont dire, oh, il était questionable ou comme game time decision. Il y a des annonces. So, il y a des annonces, comme tu sais qu'il y avait quelque chose. Illness, nanana, finalement, il a joué, mais c'est il joue bon, mal. Lui. Surtout dans les temps d'aujourd'hui, avec Twitter, où t'as vu ça envoyer l'affaire, t'as besoin de press conference. Yes, mm-hmm. Il n'y a pas d'excuse pour ce genre de behavior là. Comprends. OK. Alright, so, ah oui, puis pour la question, penses-tu que les Saints vont se rendre en conference finals? Je l'ignore, mais je souhaite que non. Wow, OK. lui, il déteste les Saints. Broad hater. Next question, c'est relié avec justement toutes les blessures, comme Kirk Cousins, les QB. Il y a eu beaucoup de changements cette semaine avec les QB, guys. Il y a plusieurs équipes qui c'était le second, même third QB, third string quarterback. Voici les équipes. Titan, avec un Will Lewis. Je sais que personne. Rookie. Rookie. Il fait drop cette année. Le third overall, something like that. Dans le premier, second round. Mais il est où l'autre? C'est lui qui parlait de se faire draft dans le top 5. Mm-hmm. Comme. Les gens parlaient qu'il allait sur draft peut-être deuxième ou troisième. Avant même si j'ai draft. Il y a eu quelque chose de bizarre. Bio, il y a un fallout all the way. Mais ma question c'est, il est où l'autre avant? Mac, le Willis, ils ont juste, il est là aussi. Ils ont décidé de prendre Levi aujourd'hui. Oh, wow. Ouais. Wow, OK. Mais clairement, ils ont draft Willis, je pense que c'est son nom. Will Lewis, ouais. Puis l'année d'après, ils ont déjà fait un autre QB. Clairement, lui, était déjà off, là. Ouais, mais il a pas mal joué, me semble, lui d'avant. Bon, après, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui du QB? Mm-hmm. Il y a 4 TD, 3 de hop.
Il a joué une grosse game. Ouais, il a joué une grosse game. Et le gars qui a dit up aujourd'hui est lit. Yeah. Steelers, Matt Trubisky. Ah, je crois que c'est Bessie aussi. Ouais, Ken Pickett, ouais, c'est still l'équipe à Pickens. Ouais, ouais, mais. Sorry. Pickett. Giants. Yo, Pickens, Pickett, je me trompe tout le temps. Les Giants, c'était Tommy DeVito. Atlanta, le boy Spenty, Teleniki. Vikings, Jaren Hall. Là, ma question pour vous, c'était lequel qui a le mieux performé pour vous cette semaine. Et je vais rajouter lequel que aura des chances d'être le starter pour les prochaines. I guess. On va commencer avec. Moi, je voudrais commencer avec ça. Moi, je dis que Will Lewis, for sure, a tellement bien performé que je pense qu'il mérite une deuxième chance cette semaine. Parce que ça s'en fout. Matt Trubisky, comme Isocon a dit, c'est l'équipe à Pickett. Même si qu'il joue les meilleurs football, ça dépend de quoi, c'est quoi les injuries aussi des autres QB là. Oui, mais même si maintenant qu'il était healthy, je parle, même si qu'il était healthy, disons, même si Trubisky a bien joué et qu'il aurait gagné, je pense que Pickett dans sa team, no matter what. Tyler Nicky, moi, je pense qu'il va être sur eux. Ah, je pense que Ryder, je pense son nom. Desmond Ridder. Il ne peut pas la faire. Puis je pense qu'il a quand à la place de Tank. Il veut se rendre loin. Peut-être que je me trompe. Ou peut-être qu'il ne veut pas blesser leur rookie QB. Ils veulent garder RP pour l'année prochaine. Et puis Jaren Hall, ben non. Jaren Hall, on va dire, il n'a pas vraiment joué. Il a joué comme 3-4 snaps et il a lancé 4 balles pour 23 verges. Donc, that. Smenty? Ben, comme j'ai dit tantôt, Pickett, c'est son équipe. Will Lewis. Premièrement, Tannehill, sorry, mais comme, done, c'est fini ta carrière, comme, tu peux ride les bench à n'importe quelle autre équipe, wow. Mais comme, s'il vous plaît, puis les autres, je m'en fous, là, c'est Will Lewis, là, après, qu'est-ce qui t'a show up aujourd'hui, tu peux pas le bench. Ben oui, Tannehill revient pas avant, c'était plusieurs semaines son affaire, mais tu sais, la première game, il a bien joué, mais maintenant c'est voir s'il peut faire 2 semaines de suite, 3 semaines de suite. Exact. Mais clairement, c'est lui, dans les QB, qui a joué out of nowhere, c'est lui qui a eu la meilleure performance. Oh, j'ai oublié de tomber des bureaux, my bad. Ils ont pas donné du guaranteed money à... Comme Tommy DeVito, là, il... Déjà, il parlait que Daniel Jones allait peut-être revenir. Souvent, ils ont dit, oh, Tyrod Taylor jouait bien, ça reste sous le bas. Là, Daniel Jones va revenir next week. Hein. Tommy DeVito va pas jouer. Il n'y a pas de Tommy DeVito. celui de les Vikings, je serais pas surpris qu'ils font des try-outs pour un QB. Yep. Et c'est pas mal ça. Non. Même abstenir de répondre. Bengals vs 49ers, gros upset, mais bah, pas le gros upset, il y a un autre upset aujourd'hui, Broncos vs Kansas City, mais je parle de ce upset-là parce que, surtout moi, j'ai vraiment 10 les Bengals au début de la saison, puis je l'affirme, j'ai 10, parce qu'on a prouvé le contraire. Là, ils ont gagné contre les 49ers, qui est supposément la grosse équipe du NFC. Bon, si on a un goût de 10 les 49ers, c'est comme si... Oh, je prends la verse à mon boy. Mon boy Max Pilo, is this your fucking king? Brock Purdy, is this your king? Yo, I'm done with that. Clairement, cette défaite-là était la preuve que Brock Purdy est pas ce gars-là. Sans McCaffrey, Debo. Mais non, il est. Il peut rien faire. Il y avait McCaffrey avec lui. Il manquait Debo. Est-ce que Trevor était là? Trevor était là. Il manquait juste Debo. Le gars pouvait rien faire contre les Bengals. Bon, ma question est, est-ce que les Bengals sont back? Puis que c'est pas de la faute. Est-ce que les 49ers sont terminés? Spendy, you go first. Bon, premièrement, Mr. Irrelevant a still lancé pour 365 verges. Il a perdu. Il a lancé 2 pics. Mais c'est pas comme s'il a pas fait les verges qu'il avait besoin de faire. Ok. Moi, où c'est Jamel Blom? Oh! La défense des 49ers. Where have you been? Peut-être les deux, c'est DB, les 49ers. Les DB. Il jouait contre une grosse offensive team. Passing team. Yes. Ça se peut, ça. Mal été cette journée-là. Je veux dire, Brock Purdy, c'est pas de sa faute. C'est pas de la faute à McCaffrey. C'est pas de la faute à Ayuk. Je blâme pas la défaite sur l'offense. Je blâme la défaite sur la défaite. Cette game-là, je blâme pas les 49ers. Ça, c'est all Bengals.
Les Bengals sont back dans le sens que Joe Burrow est healthy. C'est sa meilleure game à jouer depuis le début de la saison. Il était injured. Il a joué injured. Il a réussi à mettre sa team à un niveau 3-3. Ils étaient à 500. Là, ils sont du 4-3. Mm-hmm. Mais là, il est healthy. Là. Comme là, c'est probablement le meilleur qui a été toute la saison. On est dans la game. Je pense qu'il avait fait 18 passes complétées de suite. Là, comme ouais. Aucun complete. So, comme tu n'as rien faire là-dedans. Là. Comme defense, good defense, bad defense, t'es dead. C'est comme, il contrôlait la game. Là. So, je n'aime pas trop parce que les 49ers sont dead, même s'ils ont c'est quoi, leur troisième défaite de suite. Ouais. Mais malgré que les Bengals sont back, comme je dis, ils sont back comme étant un top team, moi, je reste encore dans le fait que je ne serais pas surpris que s'ils ne font pas les playoffs, ce n'est pas impossible. Tu ne peux pas toujours commencer avec des mauvaises fiches puis tu dois revenir pour faire... À un moment donné, ça va te hit, genre comme ça. Catch-up. Ouais, ça va te catch-up. Ils ont... Il faut juste que quelques losses, genre... On va dire, ils jouent comme les Browns. Ils ont manqué une chance de continuer à être devant les Bengals cette semaine parce qu'ils ont perdu contre les Seahawks. Mais on va dire, la deuxième game, ils jouent contre les Browns puis là, ils perdent contre les Browns. C'est des games que ça va faire mal à la fin. So, je pense pas que c'est un garantie que les Bengals font les playoffs. Mais les Bengals sont une des top teams live, comme ils sont back dans les tops. Oui, ils sont back. Ils sont back. Ils sont revenus. Oui, ils sont back. Ben, écoute, moi, je sais qu'il y a toujours des fournisseurs, des fraudeurs. Moi, on dit que c'est pas terminé. Moi, je pense que c'est terminé. Mais terminé. Ils vont faire des playoffs quand même, mais ils vont pas se rendre à la fiche qu'on aurait prévu qu'ils aient. Oh, non, ça, moi, je pensais qu'ils faisaient moins que 10 ou moins que 10.5 wins. So. Ah ouais? Ouais. Fournisseurs? Ouais. Moins de 10 points. Wins pour la saison. Comme fully healthy. Fully healthy? Ouais, je sais pas dans le bandwagon de Brock Purdy et de Gold, là. Je parle Frank, là. Je sais comme... Mais je suis comme, ils vont faire les playoffs, ils vont avoir une bonne team, mais ils allaient prendre des loss comme toute équipe. Ben, moi, je suis... Merci. Thank you, man. Thank you. So, Jaguar, vous êtes perdus. C'est contre Jaguar qui joue next week? Ouais, non, là j'ai un bye week next week. Ah, okay. Oh, tu vois, là tu vois. Non, excuse-moi, j'ai. Oui, si c'est un bye week, après le bye week, il smash la prochaine team comme par au moins 20. Ok. Ça veut dire Jaguar, tu prends 20? 20 points, bro. Le gros attaque. Yo, 3, regarde, je le dis live. Yo, ils ont perdu 3 games back to back. Là, ils sont dans un bye week. Sachant qu'ils ont perdu 3 games, ils ont une semaine pour calculer les Jaguars. Ils vont, tous leurs joueurs qui sont blessés vont être en train de comme heal up. Ils vont faire comme toute leur stratégie. Ils vont préparer juste pour les Jaguars. Ils vont juste venir smash comme les... Ça va être n'importe qui. Ça va être la top team at the moment. Ils vont prendre une gueule. Écoute, moi, je comprends ta logique derrière ça. Mais je pense que Brock Purdy n'est pas... Il est plus près. Il a peur, là. Yo, ça pourrait... Ils s'en foutent. OK. À ce moment-là, ce qui va arriver, ils vont dire, Nicky, fais juste donner le ballon à McAfee. Oui. Bang. Puis, on va still les smack par ton point. Moi, je dis Jaguars, ils perdent. OK. Jaguars, ils perdent. Bucks, ils gagnent. Seahawks, ils perdent. Eagles, for sure, loss. For sure, loss. OK. Toi, dans ces games-là, je vais te dire, dans ces 4 games-là, ils smack Jaguars. Bon, c'est qui t'a dit? J'ai dit Jaguars, Buccaneers. Ils battent les Bucks. Seahawks, c'est leur problème. Eagles? Ils battent les Eagles. Oh my goodness. Oh non, OK. On a calculé des défaites pour les Eagles. On vous a prouvé que c'était pas le cas. C'est pourquoi j'ai mis ça. C'est Eagles. Pourquoi j'ai mis qu'ils perdent contre les Seahawks. Ouais. Parce que la game, les Seahawks, ils vont juste calculer les Eagles la semaine d'après. Ils vont être comme, on joue contre les Eagles, rematch. Les gars nous ont battus parce que on avait pas QB. Mais c'est ça qu'ils vont, c'est ça le narrative. Puis ils vont tellement focus sur ça. Que ça se peut que les Seahawks l'ont passé une vite. Mais t'inquiète, dans cette game-là contre vous, ça, la team qui va être le plus physique entre les deux équipes, ça va être les 49ers. Tu as à rajouter là-dessus? Juste mentionner le upset des Broncos contre Chiefs Live. Chiefs Live. Ça finit, je ne dis pas n'importe quoi. Donc, c'est pas quelque chose à 9. 24 à 9. Je comprends pas ce qui s'est passé. Chez la Broncos, moi j'ai une hypothèse, on savait juste qu'il y a beaucoup de studs, beaucoup de name guys, all-stars dans la défensive des Broncos. Ils avaient abandonné, la saison, mais je pense que quand Mahomes, c'est personnel. Moi je pense que c'est personnel. Ils voulaient juste prouver aux gens pour dire, on peut battre le meilleur QB en ce moment, on peut le battre, on peut le stop. Donc, pensez pas qu'on est trash, faut juste, on décide de pas jouer. on décide de juste pas se casser notre corps pour rien. That's it. C'est mon hypothèse. La défense des Broncos, comme je vous ai tout le temps dit, est bonne. Mm-hmm.
Pat Mahomes a lancé des vieux picks au début. Il a donné des short possessions. Russell Wilson a pris possession. Il a des TD. Je dirais qu'il est plus capable de faire. Il shut down Travis Kelce. Il n'y a pas grand autre weapon que. Ok, tu veux rajouter? Bon, c'était juste une division game. Les équipes, match de division, ils savent, ils connaissent le roster, ils connaissent le playbook de l'autre équipe. Comme tu dois être capable de jouer avec eux. Puis même dans la première game qu'ils ont joué il y a deux semaines, c'était quand même tight. Là. Les Chiefs les ont pas éclatés. Là. So, ils pouvaient jouer avec les Chiefs. Mais moi, je pense quand même que leur défense est butt cheek. Ils vont se faire péter. Wow. Comme, c'est juste contre les Chiefs. Contre les Chargers, comme les teams de leur division, tu vas les voir bien jouer. Quand ils vont jouer contre d'autres équipes, ils vont se faire smack. No comment. Bon, voilà les prédictions pour la semaine prochaine. J'ai pris trois games qui m'ont l'air intéressants. Il y a des bonnes games cette semaine, le next week. La première que j'ai été, c'était Eagles contre Cowboys, division game. C'est où celle-là? La game est où? Je pense que c'est chez les... Eagles. Donc. Donc, guys, vous savez déjà c'est quoi ma réponse? Eagles all the way, baby. Eagles all the way. Je pense que ça va être un smack. Il va y avoir beaucoup d'erreurs de la part de Dak Prescott. Je pense que juste que les Eagles utilisent Swift cette game-là. S'ils n'utilisent pas Swift, puis ils forcent la passe tout le temps. C'est une game trop serrée pour rien. S'ils utilisent Swift correctement, les Cowboys vont devoir réfléchir, mettre des gens dans le box. C'est là que ça va ouvrir des portes pour Brown et surtout Smith. Là, ça va être la game que ça va remettre tout le monde sur le bandwagon des Cowboys. Oh boy. Ils vont venir upset les Eagles, avoir une grosse game de Tony Pollard. Une grosse game de Dak Prescott. Mm-hmm. Une grosse game de mon boy Bland qui vient de jouer une grosse game cette semaine. Mm-hmm. Trevon Diggs est out. Back sur Trevon Diggs. Michael Parsons va venir disrupt Jalen Hurts. Oh boy. Oh boy. Je vois les Cowboys battre les Eagles. Bon, moi, le reste, tu m'as dit c'est chez Eagles, je dois prendre des goals. Thank you. J'avais dit que je vois les Cowboys gagner une des deux games. C'est celle-là. Mais c'est celle qui va être chez les Cowboys. C'est dur de gagner une game à Philadelphie. Le crowd est malade. C'est dur de les battre les goals chez eux. Je peux pas trust Dak Prescott away comme dans un hostile environment. Comme si il va lancer des pieds. Ah oui, c'est sûr. Comme la game devrait être tight, mais si je suis pour prendre un win des Cowboys, je vais attendre qu'ils jouent home. So, si c'est à Philadelphie, c'est les goals qui gagnent. Kaza? Je pense que ça va être. Pardon. Je pense que ça va être une cale de la part de Philadelphie sur Cowboys. Ah non, ça va être une cale. Mais je ne pense pas que Cowboys va gagner. Je pense que Cowboys, comme d'habitude, accident will happen. Ils vont se saboter. Ils vont être à un ou deux points, deux touchés, de revenir dans la game. Donc, en plus, la game à Philadelphie, comme Nicky a dit, c'est dur de gagner. Oui, pour eux, je ne vois pas les Cowboys gagner. Mais vous êtes en danger parce que, yo. Contre Commanders, vous êtes allé en OT, puis là, vous avez failli slip-up, vous avez dû faire un comeback win. Puis là, vous avez encore une autre game de division. Clairement, vous ne jouez pas bien contre votre division, là. Non, parce qu'ils n'utilisent pas Swift. Je ne comprends pas comment ils veulent toujours abuser Brown comme ça. Lâcher Brown, courir le ballon, jouer avec la tête de la défensive. Mais là, ils n'avaient pas le choix, ils perdaient par comme 20. Fallait tourner avec la passe. C'est sûr. Mais quand c'était rendu tight, ils forçaient quand même le Est-ce que vous avez vu le fake touch-push? Oui, j'ai vu. Le fake touch-push. Ouais, c'est nice. Ils ont mis en formation pour faire le touch-push, puis il a donné le ballon à Swift. Oui. Swift est parti tout seul. Touchdown. Il n'y avait personne pour comme, le suivre, là, comme tout le monde est saisi. Pourquoi il y a un fail touch-push cette game-là? Il faut commencer à répliquer. Ouais, ils ont raté un. Ils ont raté un à ligne de 1, mon gars. Fumble. You guys are showing weakness. Exactement, pour remettre les pendules à l'heure. That's it. Donc, pour ça que le fait qu'il est bien rentré. Next game, Seahawks versus Ravens. Tough game. Les Seahawks ont fait un fou comeback win contre les Browns aujourd'hui. Puis les Ravens ont un peu... Ils ont gagné, mais ils ont un peu struggle contre, contre les Cardinals. Mais les Cardinals restent tout le temps dans des games. C'est ça que je vous dis.
Ouais, mais c'est à la fin, c'est au dernier quart, on fait deux TD. Mais comme il faisait des points quand même facilement, je trouve. Puis les Ravens, ça a vu, la semaine passée, ils ont dérangé, déraillé. Ah oh, oui, ils sont back, comme top QB, Lamar, nanana, cette semaine. C'était tough, là, genre. La fin, c'était pas, ça cliquait pas. Okay. Mais la défense de Baltimore est vraiment comme. Ils font des vraiment bonnes performances à part aujourd'hui contre. Quand ils ont fini de prendre le bon lead de genre 14 points, ils ont été defend. So, je vais aller avec les Ravens contre les Seahawks. Mais ça va être une grosse game, là. Je pense que ça va être tight. Benti, same shit. Je prends les Ravens contre les Seahawks. My bad. J'aurais aimé ça prendre pour mon boy Geno Smith. Mais la manière que les Ravens jouent live, peu importe si ils sont down ou up. Capable de win in game. Parfait. Moi, je l'ai avec mon boy Geno Smith. Geno, je pense que Geno joue vraiment bien. Là, ils ont fait une remontée contre les Browns. J'avais dit les Browns, je pense, la semaine passée. Parce que je pensais que Garrett était en the come up. Oh, il a essayé de gagner la game. Il a essayé. Il n'y a pas de QB. Il n'y a pas de QB. Il ne veut pas jouer QB. Donc, heureusement, on va dire Geno Smith a gagné. Donc, moi, ça me prouve que Geno is about that. Il était très clutch. Je pense qu'il va être couché encore contre les Ravens. Kaza? La game à Baltimore ou... Ça, dès maintenant. À Baltimore. Baltimore, je vais aller à Ravens. J'aime bien la constance de Bill maintenant, mais je pense que le momentum Baltimore en ce moment, puis ouais. Leur defense, je pense que ça va être le game changer match-up là, donc avec là. Fait. Last game, Bills vs Bengals. Comment ça va? Je suis Penty vu que c'est ta team. Alright. C'est tough. C'est tough. J'ai pas envie de prendre les Bills. J'ai vraiment pas envie de prendre les Bills. Je vais prendre les Bengals. Je vais prendre les Bills. Les Bills sont dans une vraiment mauvaise saison cette année. Ça a vraiment mal commencé. Josh Allen, je sais pas qu'est-ce qu'il fait cette année, Josh Allen. So, on les Bengals cette année. Joe Burrow is on a come up. Il est pique, oui. Josh Allen dort. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il party too much. I don't know what's up. Mais Josh Allen ain't him cette année. God damn. Non, moi je vais aller deuxième. Wow. M'attendais que j'ai les Bills, mais. Je veux choisir les Bills, mais je peux pas choisir. Bon, moi je vais aller avec qu'est-ce que Mizogan a dit au début. Il avait dit que il avait dit un commentaire, il faut que ça l'arrête. Une commentaire pour les Bengals. Et je pense que c'est les Bills qui vont faire ce upset là contre les Bengals. Les Bills vont faire comme OK, c'est bon, t'es healthy aujourd'hui. t'es healthy, Burrow, c'est correct, on a compris. Bah, posez, prends ça posé. C'est les Bills qui vont faire ça au Bengals. Je vais aller avec les Bills. T'es good, Laurent? T'as une fièvre? Non, j'aime I think, I'm telling you. The Eagles fan qui choisit les Bills. Hey, toi t'es un fan des Bills, t'as pris les Bengals. I'm just saying. Listen. Laurent, tu l'es un peu trop avec moi, I guess, parce que je prends les Bills aussi. There you go. Tu vois, le fait que Frank a dit que comme il est pour les Bengals, c'est comme that's my cue là. C'est genre, c'est le dream pour un better, genre un fan comme qui est down avec sa team. Fait sa team, c'est le temps de passer. Ça veut dire c'est le temps que je bounce dans le wagon. les Bengals ont joué une full game contre les 49ers. Mm-hmm. Il a fait son comme 18 passes d'affilée. Mm-hmm. Tout cliquait, tout était cute. Maintenant, les gens vont dire shit. Tell them. Comme Laurent a dit, c'est quoi le titre? Bengals sont back. Et puis là, les Bills sont comme, yo, come on. Vous avez éliminé l'année passée en playoff. C'est ça, là. On va vous rééliminer. On va vous smack cette semaine. C'est ça, relax. C'est ça. So, les Bengals, je pense qu'ils vont prendre un... Puis, vu que moi, je suis du camp que je pense pas les Bengals font des playoffs, ils ne vont pas gagner toutes les games comme ça. Je pense que les Bills vont gagner cette game-là à Cincinnati. Mm-hmm. Juste pour que les Bengals continuent à être dans une fiche 500, là. Il n'y aura pas de... Ah, oh, tout d'un coup, ils sont playoff easy. Kaza. Lequel de ces deux équipes-là est le underdog? On ne sait pas encore. Non, je pense que tu peux déjà voir c'est qui le underdog. Je vais regarder là, mais clique moi. Clique sur le. Si tu vas sur un site de betting, tu vas voir c'est qui. Non, ça ne dit pas sur le. C'est pas encore mis en ce moment. Sérieux? Je vais mettre, comme il dit sur un site de betting, ils vont sûrement le dire. C'est une bonne question. Je vais prendre le underdog, c'est. Le underdog pour gagner la game. C'est Bills. Underdog à Cincy. Et le underdog, c'est Bills. 1.5.
Buffalo. C'est pas comme underdog. Ah, ok. C'est pas vrai. Mais c'est eux qui sont underdog. Je vais aller avec eux. Bon, avez-vous d'autres choses à rajouter? Chalet ne lance même pas. Non, ça c'est impossible. Moi, je shout out. Je shout out. Les Eagles? Non. Oh, god damn. Mais mes Stingers, j'aurais dû porter la veste. Que Concordia a foutu la première L à Montréal. Oui, bien. Au Carabin. Sur un game winning field goal, ils perdaient 13 à 14. Puis ils ont gagné 16 à 14 avec un game winning field goal. So, shout out mes anciens coachs, Glad, Coach Polo. Puis that's it. On you, man. Est-ce qu'ils font les playoffs? J'ai aucune idée. J'ai vraiment pas regardé. J'ai juste vu l'upset. Ouais, j'ai juste vu qu'ils ont checké la première carte au Carabin. J'étais content. c'est fou, là. Je pense pas. Ils vont pas aller. Ben, peut-être. Ils vont faire les playoffs, peut-être. On voit pas personne battre le rouge. Carabin encore. Oui, en tout cas, bref. C'est une conversation, ça. J'évitera les gars à venir parler de ça. Ah, si je peux avoir un des deux coachs, je serais bien content. Ouais. Bon. La NBA qui a commencé cette semaine. Waouh. On va commencer avec juste un recap. Une question générale. Comment avez-vous trouvé les games openers, les deux games, qui étaient les Lakers contre Nuggets et puis Suns contre, j'oublie l'autre, my goodness, Warriors. Kaza commence. J'aimerais juste dire que j'ai pas regardé les games, mais qu'on avait fait les prédictions 100%. J'avais dit que les Lakers allaient se faire discipliner. Ils ont perdu par 12 points. On va se dire, les Lakers sont trash. Ouais, exécrable comme équipe. C'est Eddie Cap. You know what? Fini. C'est terminé. Et puis, je pense que c'est Jalil qui avait dit que Phoenix ne pouvait pas outshoot Golden State. Mais écoute, ils ont gagné. À Golden State, je pense en plus. Non, mon gars, à nous, ma team, ma pick. Bon, moi. Malheureusement, les Knicks ont gagné en première année. T'es surpris? Contre les Boston Celtics, par 4 points. Mais oui, je suis surpris. C'est une bonne team. C'est une bonne performance. Ouais. La majorité d'entre vous ont Boston qui vont encore faire ce final dans les East anyway. Rivalry, man. Peut-être, si New York step up. Ouais, pardon? C'est pas une rivalité. Oh my god. Yeah. Bon, blaster. Moi, je vais aller avec probablement les Lakers. Si AD, le numéro 1, aurait joué sa game correctement, la situation aurait été différente. Pas comme si ils se sont fait se mettre par 20 points. C'était 12 points. Puis les 12 points, c'est quand ils ont bench les starters. Même l'écart, parce que le bench des Nuggets sont beaucoup plus meilleurs que le bench des Lakers. On va dire les vraies affaires. Oui, en effet, j'allais What's Up Now avec des chemistry des Warriors. Chemistry, t'as 3 All-Stars, puis t'as un des All-Stars qui n'a même pas joué. Bill était sur le banc, il est blessé au bas du dos. C'était Booker et puis Kevin Durant. Puis on savait très bien qu'est-ce qui allait arriver. Et comme de fait, comme on parlait ici, on savait qu'en rajoutant un Nurkic, dans les rebonds, donne le ballon à Booker, puis à KD, puis les gars font du ISO, puis les cook. That's it, that's all. Donc, moi, j'ai bien aimé les games opener. Puis, les gueux ne sont pas exécrables. Mais, il y a beaucoup de choses que j'aime pas des gueux cette année. Guys, mes autres gars, c'est pas first game en plus, hein? First game. Puis, tu dis qu'il y a beaucoup de choses que t'aimes pas. Oui, mais c'est pas exécrable. Je les aime pas. Nicky, tu peux commencer. Moi, pour de vrai, ces premières games, j'ai juste regardé. Je peux pas te dire que ce que j'ai vu dans la première game, c'est vraiment la team. So, j'essaie de pas trop comme faire des réactions sur une game. Je regarde les Suns. Les Suns ont déjà beaucoup d'injuries. Booker et Bill sont blessés. Mais le fait d'avoir Nurkic, tu vois déjà que ça fait une différence parce qu'ils ont un center qui va chercher des rebonds, est physical dans le paint. So c'est vraiment un plus pour eux. Puis si les gars, quand les gars vont tout être healthy, puis avec quelques games à jouer ensemble, ils devraient être nice. Puis les Lakers contre les Nuggets, je pense que c'est un peu dangereux pour les Lakers parce que cette game-là, tu devais venir jouer disant OK, parce qu'ils ont tellement parlé comme ploups durant tout le off-season des Nuggets que avec l'énergie, ils sont arrivés avec une vieille énergie, je trouve. Anthony Davis, tu étais supposé venir prendre ton revenge. Puis, encore un point, là. Ouais, comme dire à Jokic que yo, je peux jouer avec toi, là. Puis t'as dissipé tout le second half. C'était très weak de la part des Lakers. Puis même la game d'après, ils ont joué contre les Phoenix Suns. Il y avait juste Kevin Durant. Puis
Kevin Durant. Mm. Pour le reste, je pense que c'est vraiment parce qu'à la fin de la game, les Suns ont été commencé à être fatigués. Oui, ouais, mais les Cavs auraient bien perdu. Là. Je veux rajouter là-dessus deux choses. Première game de AD contre les Nuggets, en effet. Avec même les gars n'ont pas respecté. Il crée quoi, Kazan? Who's your daddy? I'm sick of you. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. Mais le pire, c'est que t'as parlé. Aider à parler plus. Aider à dire, je suis au gym, je m'entraîne, je suis prêt pour eux autres, je les smack, tu donnes 17 points, puis du second half, tu donnes pas un seul point. Ghost. So, ça, c'est vraiment. Trash. Ouais, c'est vraiment trash comme performance. Surtout quand t'as parlé caca. T'as pas backup ton talk. Là, c'est premièrement. Bon, les Suns, je donne un shout-out à KD. Un shout-out au Snake, comme dirait Spenty. Parce que pour vrai, quand le gars a du repos, puis quand le gars, il est healthy sur le terrain, il ne manque pas ses shots. I have to say, le gars était clutch toute la game, mais t'as vu que mon équipe était fatigué, puis que sans Booker, sans Bill, jusqu'à Eddy, ouais, leur bench, leur other player, leur role player, font pas leur rôle, ils font dans rien. Dans cette game-là, leur rotation était un peu bizarre. KD a joué tout le premier quart, il a presque pas joué dans le deuxième quart, il a joué tout le troisième quart. Puis après ça, quand ils ont essayé de le ramener un peu plus tôt au quatrième quart, mais oui. Ils avaient déjà perdu le lead, là. Mais c'était, mais c'est l'époque, ouais. Ils ont enlevé un joueur. Mm. Et c'était fini. Ouais. C'était fini, mais ils n'avaient aucune stratégie, Spenty. Aucune stratégie offensive. Et c'est la même chose pour les Cus. Les Cus, les seuls sur regarder ces games-là. Les Cus ont une stratégie au début. Quand ça ne fonctionne pas, là, t'es rendu, OK, on fait quoi? On bug, là. On va voir Eddie, puis les Suns. Ils avaient aucune stratégie. C'est la même. C'est du iso ball. Donne la balle à KD, donne la balle à Booker. Booker pas là. C'est donne la balle à KD. KD est pas là. KD est pas là. C'est là. Tu donnes à qui? Ben, donne à qui? Tu trouves la stratégie. C'est pas la NBA? Non. Mais le devoir. C'est pas la NBA? Non, arrête là. Quand t'as KD, Booker, et Bradley Beal. Quand ils sont bons. Non, mais attends, c'est là, je m'en bats. Quand t'as KD, Booker, puis Bradley Beal dans ton équipe, les autres joueurs, c'est même pas des role players, c'est des pions. Des pions. Des piques. Déplace-toi là. Fais ça. Ceci, les trois sont pas là. T'attends quoi de cette équipe-là? C'est même pas une jelly team. Non, t'es disrespectful. Les gars, ils ont des bons role players dans les Suns. C'est juste que pour de vrai, avec une équipe comme ça, les gars, c'est comme des bots. Ok, ils ont des patterns prédéterminés. Il a tout dit, c'est des minions. Mais quand t'enlèves le cerveau, qui on va dire que KD, les gars, ça fait quoi faire? Ils courent de monter où? Ils vont être juste sur place. Il y a un paquet de bugs. Il y a un glitch. Il est roué de leadership, il savent pas quoi faire. C'est fou! Les gars qui tournent en rond sans tête. Mais à la base aussi, ils ont pas un point guard dans la team. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il est blessé. Non, ils ont pas de point guard. Tu crois pas que pourquoi c'est un point guard? Non, mais je veux dire, non, mais un vrai point guard comme Booker. Yeah, il n'y a pas de Chris Paul. On va dire un Corey Joseph. Ok, ils n'ont pas quelqu'un pour lead le second unit. Ouais. Ils n'ont pas de point guard dans la team. Puis en playoff, ça va aller fort. Ils vont sûrement aller chercher. Ils vont chercher quand même. Ouais. Pas cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la NBA. Dans NBA, il y a toujours ce bail-là de buyout après le All-Star Game. Il y a des bons joueurs qui vont quitter leur team. Absolument. Et puis ils vont aller se attaché aux Suns. Des ring getters. Maintenant, une question. Wemby et Chet, le futur du basket pour les petits jeunes. Comment avez-vous trouvé leur performance dans les 2 à 3 dernières games cette semaine? J'espère que tu as dit 2 à 3 dernières games. Ouais, parce que. Les premières games. Moi, je vais aller avec Chet. Chet était quand même. Sa première game était pas waouh, mais il était comme. J'ai vu bien jouer. Jet, il a fait une game avec, je pense, comme 7-8 blocs, double-double. Ouais. Double. Il est efficient, il shoot la 3 points. Il prend pas trop de shots parce que c'est quand même la team à chai, mais il se bon piece dans les tendeuses. Puis tu vois que les tendeuses, ils sont pas habitués d'avoir un big qui peut bloc, qui défend le paint. Là. Exactement, so, ça les a vraiment aidés. Wemby, lui, je trouve qu'il force trop. Je sais pas s'il pense qu'il joue contre des joueurs de l'Europe encore. Je sais pas s'ils pensent que des gars de la NBA peuvent pas compete avec son size, mais je trouve qu'ils forcent les jeux. Puis à cause de ça, il manque des easy shots, il manque comme des easy comme layup. Puis il cache un peu le flow de la team parce que
il prend trop de shots forcés quand il pourrait juste faire une passe ou faire un extra dribble. Mais je pense que c'est une affaire de quelques games. Puis que dès qu'il va prendre son groove, il va commencer à dominer. Moi, de mon côté, je suis d'accord. Entre les deux, je trouve que Chet, c'est le gars qui a le mieux joué solo et avec son équipe. Il est très consistant, ses stats sont bons, il ne prend pas beaucoup d'erreurs. Je trouve que Wemby, malheureusement, comme tu as dit, il prend un shot par rapport. Première game, il a joué contre Dallas, puis il était très conservateur. Mais moi, je pense que quelqu'un lui a dit, je pense que soit le coach ou les joueurs, quelqu'un lui a dit, attaque plus. Là, il y a snap l'autre. C'est ça, là, l'autre équipe, il a exagéré. Tu comprends? Parce que la première game, il a fait 6-9, 15 ouais. points, qui est très ouais. conservateur. Il a laissé, là, tu avais Devin, son coéquipier, qui a pris dessus. Ouais. Ben, le game d'après, 7-19. Regarde ça, 3 points. Quoi? Regarde ça, son 8 points d'atteinte. 0-6, ouais. mes amis. Donc. Son 3 points n'était pas fin là. Non, il est vraiment pas fin là. Non, son 3 points est posé pour. C'est juste que cette game-là, il est venu shooter comme il a forcé les shots. Comme Desmond Bane, c'est un gros shooter. Puis la dernière game, il a commencé une game 0-5. Donc, c'est pas parce qu'il sait pas shot, c'est juste. On dirait il a dit, je vais carry la game live. Comme c'est si, ça. Dès le début, il a dit, je vais coupe tout le monde. Puis il a coupé personne. Non. C'était contre les Houston Rockets, ouais. Ça a fini en OT. Ouais, je pense qu'ils pensaient qu'ils pouvaient péter les Rockets. Ça n'a pas fonctionné. Exactement. Donc, ça, c'est ma. Mais je dis que c'était quand même du beau basket des deux. Moi, je pense que les deux, c'est une bonne progression en ce moment. Ouais. C'est beau à voir, c'est nice à voir. Ils sont forts. Non, c'est des rookies. Je m'attends à voir leur meilleur basket, genre, rendu proche du All-Star Game. Ouais, janvier, février. Ouais, janvier, février, c'est là que tu vas voir leur meilleur basket. Toi, Spenty, comment tu as trouvé les deux? Il va être tout praise, Chet. Wow. J'ai vu sa game avec plein de blocs, mais à part ça, bro, il grab des rebounds, puis that's it, il se fait post-up dans le paint. Il est tout skinny, c'est un little twig, mon gars, dans le paint. 1B, c'est la même chose, il fait des points, il fait des rebounds, mais comme je veux dire, les gars... Ben yo, c'est ça la base de la NBA, il y a juste Jokic puis un beat son... Ouais, c'est couilles. Ça, le game a changé, ils sont bons pour le new game, mais... Bro, s'il y a un center, genre comme Jokic ou Embiid, quand ils vont jouer contre, ils vont se faire dominer. Ah, mais chance pour eux, il y en a juste deux comme ça dans la ligue. Il y a juste deux teams comme ça. Ils vont pas jouer souvent contre eux. C'est ça. Parce que sinon, man, ça serait dégueulasse pour eux. Comme OK, il a fait 8 blocs. T'as-tu vu la like des blocs de Chet? Ouais, c'était des. Oui, c'est des petits blocs, là. C'est des petits blocs, là. C'est rien de gros. Exact. Puis même chose pour 1B. Oui. Ils ont fait, ils ont mangé des rebounds, ils ont fait des points, là, c'est des blocs parce que les gars ont oublié qu'ils ont des blonds bras comme ça. C'est juste ça. Que leur wingspan est de genre 9 pieds. Exactement. Bah, vous, tu dis que pour la team, normalement, les autres équipes, ils font juste rentrer dans leur pain, puis les hop, là. Pour la team, c'est quand même important. C'est comme shit, un gars qui peut littéralement bloc pour nous, genre. Donc, même si. Mon defender me coupe puis il me passe. C'est pas grave. Comme il va still protect le paint, ça veut dire que je peux courir le fast break puis je vais peut-être faire un easy layup. Puis même, justement, je cours le fast break et l'autre, je me fais battre défensivement, mais tu sais que le gars est là. Mm. Lui prend l'angle que je peux avoir, moi je prends l'angle que je peux avoir. Le gars qui a le ballon, il va passer deux fois là. Ouais. Où est-ce que je fais? Tu sais, c'est. Mais il a aussi fait genre, Chet, il y a un highlight qui a genre fait 3 blocs sur le même jeu. C'est vraiment à cause qu'il bloque le patinet. Pas un gros bloc, mais juste bloc. Le gars, il a repris son rebound, il a réessayé de faire un petit layup comme whack, il s'est refait bloc, il a réessayé une troisième fois, il s'est refait bloc, j'ai fait OK mais t'as pas compris. Ça va toujours voir des blocs à la LeBron, là, chase down. Bah, on the glass! Je comprends, mais tu sais, comme un des blocs à 1B le plus nice, c'est qu'il a chase down une 3, il a bloc. Ça, c'est un nice bloc, mais comme un layup que. T'as juste repris ton rebound, t'as décidé, toi, vu que t'es un cave, d'essayer de relayer up par-dessus un gars qui a un wingspan de 9 pieds. Voilà. Non, mais les gars doivent tester, dire OK, je peux pas faire ça. Non, faut qu'ils essayent. Faut qu'ils comprennent. Mais comme les gars vont comprendre que tu vas kick out. Ouais, mais tu sais ce qui est drôle là-dedans, c'est que toi, nous, les gars en bas de 6 pieds, on sait très bien. On sait très bien. Qui, nous? Okay, nous. Ok, d'accord. Nous. Je te prends dans le pain any day of the week. Nani? Any day of the week, je te prends dans le pain. Hors de la piscine, tu me prends nul. Any day of the week, je te prends dans le pain. Ça passe. Donc, ça pour dire que les gars ne comprennent pas, les gars sont saisis quand ils voient qu'ils font bloc comme ça. Parce que toutes leurs vues autour, tout le monde 6 pieds 5, 6 pieds 4, ouais. Puis qu'ils remontent dans le panier, au moins la balle touche le board. Au moins. Là, ça n'a pas touché le board du tout.
Kaza, toi, comment t'as trouvé les deux nouveaux? Je vais être avec vous, j'ai pas regardé, j'ai pas focus sur ces deux joueurs-là cette semaine. Par contre, regardez les Knicks. Merci. Par contre, d'après ce que vous m'avez tous les trois dit, les gars ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire pour leur position, ça a été rim protector, front court. Je vais le dire, je suis pas fan des nouveaux deux qui doutent. So, le 0 en 6 que Wemby a fait, écoute, on est au début de la saison, j'ai laissé ça slide, mais j'aime pas trop ce game-là. De plus, comme Frank a dit, yo, le wingspan là, même si c'était pas pour bloc le joueur à terme, le decision making que l'offense de l'autre team fait, ben ils viennent dans ton territoire le paint, mais même à la 3 points, c'est toi qui as dit qu'il a fait un chase down 3 points, c'est ça. Donc, je suis encore fier de Wemby. Je trouve que only way is up. Il va mettre un muscle sur lui, il va améliorer sa shot. Donc, je sais pas qu'est-ce que Chet a fait pour outshine Wemby cette semaine, mais shout aux deux, mais plus shout à Wemby. Non, Chet, c'est juste qu'il y a moyen que la façon qu'il a joué, il a pas été détrimental à sa team. Tandis que Wemby, il y avait des affaires qui... Il a perdu une game. Ouais, ça. Il a perdu une game. Non, Wemby a pas perdu la game. Ils ont gagné la game quand même. Ouais. La première game était conservateur. Ouais. La deuxième game, ils sont allés en OT, ils ont gagné. Puis à la fin, il a fait des affaires pour gagner la game. Mais je veux dire, c'est à cause de lui qu'ils étaient dans cette position-là. Parce qu'ils ont emmené... Popovic, deux fois, il l'a mis sous le bench. Comme là, la team jouait bien, ils sont venus dans la game, ils l'ont remis. Les Rockets ont repris un lead. Et à la fin, ils s'est arrangé. Puis ils ont essayé de revenir, puis ils sont allés en OT, puis ils ont gagné en OT. Comme j'avais dit aussi, on avait parlé de rivalité entre ces deux joueurs-là. Mm-hmm. Mais on avait dit que OKC allait avoir la meilleure team. Donc, là, je pense que maintenant que. Je pense pas qu'avec Wemby directement, les Spurs ont. Heureusement, si on se base sur ce qu'on a vu. Ouais, ils sont encore une mauvaise team, là. Comme. Au moins, les Thunders, ils peuvent dire on a un. Peut-être un MVP candidate, pas aujourd'hui, mais. Avec Shai. Avec Shai, ils ont. Peut-être un MVP candidate. Pas aujourd'hui. Yo. Shai. Laurent. Shai. 7 points, my guy. 7 points. Come on, man. J'ai bet pour toi. J'ai bet sur toi. T'as perdu combien? J'ai 6000 gouttes. Non, elle a vendu 10 dollars. Ça allait me donner 6000. Ça allait me donner 6000. Yo! 7 points. Luyens. Il te manquait combien de points pour mettre en 6K? Oui, il a fait 7 points dans la game. La game, bro. Non, il manquait encore beaucoup de bails. Oui, il manquait des bêtes délicieuses. Mais j'allais les avoir. C'était 15 points, mon cher. Yo, le gars, il m'a donné 15 points. Il n'a pas donné 10. Il n'a pas donné 10. J'ai donné 8 points en playoff. C'est ça qu'il faut dire. Il n'a pas donné 10. Ok, même. Change de sujet. Bon, Steph Curry. Là, Steph Curry est tout seul présentement au Warriors. Tout seul. Je demande les blessés. Non, ouais. il joue aujourd'hui. Ok, ben bref, il était tout seul les premières games. So, Clay compte pas. Clay compte pas. Non, okay. Clay compte plus. Chris Paul non plus. Chris Paul compte plus non plus. Lonnie non plus. Qui marque les points? Qui marque les points? Curry et Clay. Quelques points. Merci. La colonne n'est pas la seule colonne dans le sac. Laissez-le finir sa question. J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'en va avec ça. La question, c'est est-ce que Steph Curry est réellement tout seul au Golden State? Si oui, pourra-t-il amener son équipe à une fiche positive? Voici la question. Pour commencer, est-ce qu'il est réellement tout seul? Vous avez vu mon talk? Oui, il est réellement tout seul. De trouver que présentement, oui, Chris Paul, ok, je ne vais pas exagérer, mais il n'y a pas de All-Star avec lui présentement. Clay n'est plus un All-Star. Clay est en pente descendante. Kuminga est en pente montante, mais il n'est pas rendu là. Chris Paul, il ne donne plus les mêmes stats de points. Oui, il peut encore gérer le terrain, mais il prend beaucoup plus de briques avant de ne pas rester toute une game complète et gérer le terrain au complet. Donc, Steph est tout seul. Toutefois, quand même qu'il pourra amener son équipe à ce que c'est Steph Curry. Mais il a fait une année quand il était vraiment tout seul, il a quand même amené son équipe, il y avait le plus de points cette saison-là, justement. Je pense que c'est une deuxième fois que ça va arriver. Il aura le plus de points de la NBA, mais il va pas gagner, il va pas gagner les playoffs.
je vois ce que tu dis, mais t'as pas dit quelque chose de comme étonnant, comme ça fait 2-3 ans qu'il n'y a pas d'All-Star dans sa team. Jamal Green n'est pas un All-Star, Clay n'est pas un All-Star. Il y avait Poole qui l'aidait. C'était pas un All-Star. Est-ce qu'il a fait All-Star? C'était pas un All-Star. Ça fait des années qu'il ne joue pas avec des All-Star. Il joue avec des bons joueurs. Mm-hmm. So, je ne veux pas dire qu'il n'y a personne, parce qu'il y a des joueurs qui ont gagné. Si t'as des joueurs qui ont déjà gagné des chips, ils savent jouer. So, il y a des joueurs. Mais c'est vrai que c'est lui le main guy de la team. Il n'y a pas... Comme il y a des stars parce que les gars sont connus, mais il n'y a pas genre un All-Star comme All-NBA caliber teammate dans sa team. Puis Jamal Green, c'est le seul qui va être dans ces affaires-là parce qu'il va être peut-être dans le defensive team, mais c'est Jamal Green. Mais ouais, la team, clairement, ils vont avoir une... Je ne vais pas dire qu'ils vont être comme des contenders, mais je m'attends à ce qu'ils font les playoffs. Au moins, il faut faire les play-in. Comme c'est le plus bas que c'est le plus bas que je peux dire qu'ils vont être là. Comme je les vois pas manquer le playoff sans faire le play-in, genre. À part s'il y a des injuries. Comme Nicky a dit, je les vois pas rater les playoffs. Si jamais ils ratent les playoffs puis ils se manègent de rentrer dans le play-in, faut juste qu'ils battent les Lakers. Ils sont très capables de battre les Lakers. Putain, c'est la tête. So that's it, man. Golden State, à quel point tu dis Clay pas un All-Star, Draymond Green pas un All-Star, sont still mieux que n'importe qui que t'as dans les Lakers. Ok. Tu sais quoi? Clay? Qui peut battre Clay dans les Lakers? Non, mais tu sais qu'est-ce qui est fou là-dedans? LeBron? LeBron contre Curry, point. Ok. AD? Non. Damn, guys! Chico peut pas battre Clay? Bro, il va même pas... Clay t'as pas un descendant, bro. Eddie ne va pas être available pour les playoffs. Kaza, talk yourself. J'en peux pas avec la notion que Steph Curry est tout seul dans son équipe. Okay. Je trouve que c'est... Disrespectful. Ouais, pour vrai. Back to back. Yo, il y a Looney, Kevin Looney. Yo, Looney, c'est un gars qui, comme... Les gens en parlent pas, mais il fait beaucoup, là. Dirty work, là, pour packet skinny guys dans la team, il fait tout, là. On joue pas des threes. C'est ça, comme si, oui, Golden State, des small et tout. Il y a des gars expérimentés, même si c'est des bon en cours. C'est pas des nobodies. Ouais, ça, c'est pas des nobodies. C'est pas parce que tu fais plus le All-Star que... Et plus Klay Thompson. Ta production est irrelevant ou inerte. Donc, il y a encore Wiggins, il y a Klay Thompson, il y a Looney, il y a... Regarde, tu viens... Ah oui, oui, il n'a pas fait l'All-Star dernièrement. L'année passée. Il y a deux ans. Sa première année à Warriors, il me semble bien fait l'All-Star. Exactement. Il est plus All-Star. Draymond est blessé, mais quand il va revenir, c'est still un squad. Tu comprends? Les gars, been there, done that, ouais. More than once. More than twice, tu comprends? J'allais pas faire ça. Non, c'est ça. Okay. So, et puis, comme Frank l'a dit, comme Nicky et Frank l'ont dit, ils vont faire, je pense qu'ils vont manquer les playoffs, pas dans l'Ouest. Personnellement, avec Memphis, qu'ils n'ont pas à draft pendant 25 games, je pense que ça va les affecter dans le standing beaucoup. Et puis, comme Frank a dit, je pense qu'ils vont discipliner les Lakers facilement. Cool. Ouais. Dans le play-in. C'est pas, juste une game dans le play-in. Mais pas de mentir, je ne sais même pas si les Lakers vont faire les play-in, justement. Je vais être honnête avec toi. Donc. T'inquiète pas pour Golden State. Je suis pas qu'avec les gars pensent tranquillement. Mendy puis Kazem parlent de l'écuse avec une voix basse. Mais vrai, c'est drôle. Puis ils disent mais que l'écuse à voix basse. C'est drôle parce qu'il y a un super fan. Les deux super haters. Non mais, je suis pas un hater de LeBron. Yo. En fait, yo. Je suis pas un hater de Laurent. Je suis 100% un hater de Laurent. Mais je suis plus un hater de l'organisation après Kobe. Après tout ce qui est arrivé après Kobe, je suis un gros hater. L'organisation des Lakers est trash. Eddie est trash. LeBron, j'ai aucun problème avec LeBron. J'aimais LeBron à Miami. J'aimais LeBron aux Cavaliers. Mais les Lakers live... Respecte ça. I just can't. Moi, je respecte LeBron. Mais tu respectes pas quand je disais que je filais LeBron qui était à Cleveland avant. Oui, ça c'est correct. Ok, c'est bon. Non, j'aime pas le fait. Mais lui, c'est un LeBron fan. Tu peux pas... Dès que tu donnes de l'œil à LeBron, I'm fucking with you. J'accepte, let's go. J'adore ça. Mais quand tu hates LeBron, quand avec tout ce qu'il a fait, son pedigree. Mais si tu hates les Lakers, tu hates pas nécessairement LeBron. Exact. J'hate les Lakers, mais j'hate pas LeBron. Je hate les deux personnellement. C'est ça. Lui et les deux. C'est ça que. Tu sais, quand Spencer attaque LeBron, tu sais, quand il attaque les Lakers. J'ai jamais attaqué les LeBron. Oui, j'ai attaqué les Lakers. No point. T'as rentré LeBron là-dedans. Ah, he is old.
Il joue pas aussi le jeu de la NBA Live. C'est le seul qui reste de son draft en plus. Il va se le donner. Ben oui. Il va se... En parlant de ça, j'avais vu la photo. Maintenant, quand il a intercepté le ballon, il a sauté. Super high, là. Super high. Ouais. Pour moi, regarde, ça va, prochaine question. LeBron, présentement, est en train de nous montrer qu'il n'est pas normal. Et on le savait depuis longtemps qu'il n'était pas normal. On le savait depuis longtemps. Mais là, comme plus ça continue, plus qu'on on accepte ce gars-là est un freak of nature. Ça va jamais. Il n'y aura personne d'autre qui va être comme lui. Maintenant, en parlant des Lakers, vraiment déçu. Ma question, c'est, LeBron est encore numéro 1 dans son équipe. Oui. L'équipe est encore numéro 1. Sois pas choqué, sois pas choqué. Tu viens de dire, passe tu le close, puis là, t'es saisi. C'est ça, c'est encore numéro 1. T'aurais pris qui? Austin Reed, numéro 1! Ok, non. Quoi? Est-ce qu'il va pouvoir continuer comme ça jusqu'au nouveau tournoi qui s'en vient dans les prochaines semaines? Le nouveau tournoi, le nouveau... Non, le tournoi bizarre qu'ils font, le bracket challenge, le bracket tournoi mid-season. Donc moi, personnellement, il va pas pouvoir continuer comme ça la saison. Moi, je pense que là, il donne le tout pour le tout, en espérant que les gars vont se réveiller. AD peut pas continuer comme ça. AD, comme... c'est un problème. À un moment donné, LeBron est jeune, tu sais, parce qu'on sait ce qu'il a fait à Cavaliers. Tu rappelles ce qu'il a fait? Il est tout le monde dehors. Puis, ça continue comme ça, AD va devoir partir parce que le gars est jamais constant. Si tu te blesses, c'est que t'es même pas constant quand t'es RP. C'est un problème. Austin Reeves, je lui donne une chance, mais il faut qu'il reprenne son ce qu'il donnait en fin de saison l'année passée. Puis, fucking D'Angelo Russell. Get him out of there. Get him out. Les gars, j'ai deux games, bro. Non, on te dit quoi faire et tu fais ta tête. Arrête. C'est faut arrêter. OK? Jouer une stratégie. Est-ce que j'ai pas aimé les Lakers? Ils ont juste une stratégie. Quand le premier scheme ne marche pas, ils ne savent plus quoi faire. Ça me dérange ça aussi. Donc, si LeBron continue comme ça, il va se blesser. Il y aura pas de time management, puis ils vont perdre des games. Parce que clairement, grâce à LeBron, ils gagnent présentement. Et non aidé. Gaza? Donc, au fond, c'est quoi ta question? La question, c'est est-ce que LeBron va pouvoir continuer comme ça jusqu'au tournoi? Non, LeBron doit sauver son énergie pour la partie de la saison qui est importante. Bon, les playoffs. Je ne pense pas qu'ils vont atteindre les playoffs. Right? Puis, t'as raison. Pour vrai, il a besoin de plus d'aide que de son supporting cast. En tant que deuxième meilleur player de sa team, Boston Reeves. Donc, il a besoin que les gars step up parce que LeBron va mener les gars où est-ce qu'il doit mener les gars dans la partie importante de la saison. Mais pendant la saison, comme s'il perd des aller ham dans des games qui perdent des empty stats, que j'appelle ça, contre les Orlando Magic, contre Houston Rockets, je trouve que ça sert à rien de fatiguer son corps pour rien comme ça. Donc, non, il peut pas continuer comme ça. Le GM, parce que c'est lui le GM de son équipe, doit faire quelque chose et puis amener des players qui veulent jouer avec lui dans le système dans lequel les Lakers opèrent en ce moment. Isogad? Bon, moi, comme je vous ai dit, ça c'est juste deux games. Je ne prends pas être sérieux sur Laurent déjà. C'est la fin du monde. LeBron est le meilleur joueur de sa team. Il a toujours été le meilleur joueur de sa team. Mais pour que la team soit à son meilleur, il faut qu'il soit le number two. Faut qu'il pousse Anthony Davis à jouer comme le number one. Comme ça, il puisse rest. Si c'est lui qui doit toujours jouer comme le number one, à some point, la team va juste crash and burn. Parce que faut vraiment qu'il soit capable de se manage pour les playoffs. Moi, je voudrais, si je suis LeBron, je fais Eddie jouer comme Eddie peut. Tu peux casser ton corps. Parce que après ça, je vais carry la team by myself. J'ai juste besoin que tu m'amènes jusqu'au playoff, I don't need you. C'est vrai. Okay? Puis Austin Reeves, comme, amène des affaires. Mais moi, je pense pas que les Lakers doivent amener des joueurs. Comme toute la team qui est là, ils les ont amenés l'année passée. Genre, comme, à son point, tu dois faire un coaching job, là. Comme tu dois, en tant que team, savoir c'est quoi nos forces et faiblesses. Puis vous devez travailler des stratégies. Genre, ça peut pas être toujours, oh, on va s'acheter tel joueur. On va chercher tel joueur. Oh, je fous tout le monde dehors. Comme, à son point, comme, tu dois faire le travail, là. Comme, Là, j'espère que l'équipe va rester comme ça. Russell, vous devrez, lui, il est pourri. Il devrait être off the bench. Je pense que je ne sais pas pourquoi il start. Je pense qu'il pourrait jouer un autre point guard. Ou LeBron point guard. Beast point guard. Mais live, Vanderbilt est blessé aussi.
il est pas là. So, je pense que tu mets un LeBron, Reeves, Vanderbilt, Davis, puis je sais pas c'est qui l'autre, Hachimura. Hachimura ou bien Taurean Prince. Taurean Prince, c'est ça. Il peut faire un line-up où Russell est off the bench. Je pense que live, c'est pas la meilleure. Je pense pas que c'est la meilleure itération des Lakers. So, bravo. On va attendre une vingtaine de games. Là. On va attendre Christmas. Ouais, c'est ça. LeBron James t'a prouvé, peu importe qui qu'il y a, peu importe où il joue, il va te mettre des points, il va te faire des stats. Still être relevant. Il va se battre pour un player spot, peu importe qui qu'il y a dans son team, c'est LeBron James. So, oui. LeBron James va rester healthy. LeBron James va still faire ce qu'il a à faire. Il va jouer l'année prochaine avec son boy ou avec son fils. Puis dans deux ans, il va jouer avec son autre fils. Il va être capable de le faire. Il va être capable de manager son time, health. Il va récupérer quand il doit récupérer. C'est des athlètes à la fin de la journée. Ils savent, ils connaissent leur corps. Puis il va être là. Enfin, il va pas être. Non, il va pas avoir un ACL out of nowhere qui va out of nowhere. Moi, LeBron, je commence à dire, je commence à être prêt à jouer off the bench. Peut-être pas cette année-là, mais genre. Quand son fils arrive, je pense. Avant que le deuxième arrive, ouais. Ouais. S'il veut continuer, là. Comme je l'ai dit avec Ronaldo, s'il veut continuer, s'il veut peut-être faire la prochaine Coupe du Monde. À Portugal, il faut qu'il joue off the bench. Off the bench. Mm-hmm. S'il faut que tu sois Sixth Man of the Year, bro, pour genre tes deux dernières années à LeBron James, do it, man. C'est le cook, les benchers. Mais il peut pas présentement parce que les Lakers sont trash. Facts. OK, next question. C'était, quelles sont les équipes qui vous ont surpris dans les trois derniers games et celles que non? Je vais commencer, parce que je dois m'excuser, les Pacers. You gonna learn today! You gonna learn! Yo, les Pacers. Tu vas écouter le podcast. Les Pacers étaient nice l'année passée. Ils ont pas fait les playoffs parce qu'ils ont pas fait le play-in parce que Haliburton était blessé. C'est vrai. You gonna learn today. Faire les playoffs. I'm learning, bro. Orlando, on parle des équipes très très bonnes. So, je peux pas être encore surpris. Mais là, on joue contre les Lakers sur la prochaine game. So, j'ai hâte de voir comment ça va être. Mais les Pacers ont surpris. Ceux qui m'ont aussi surpris par leur résultat aussi, comment ils ont joué, c'était les Dallas. Dallas était très chanceux. Je trouve que, encore une fois, Luca a fait de la magie. Trash. Puis, c'était du trash basketball. Non, mais merci, c'est du trash basketball. Si tu veux dire most disappointing team. Dallas m'a, comme, même s'ils sont 2-0, it was trash. Oh Luca a été incroyable. But the team was trash. Sorry? The team was trash. L'équipe a... C'est ça. So j'ai perdu la deuxième game. Kaza. Les équipes qui m'ont surpris cette semaine, ça a été Boston Celtics. Commencer ça. Orlando m'a dit qu'aussi, je vois ils ont bien commencé la saison. Charlotte à eux. Je suis déçu des Atlanta Hawks, par contre. Tu n'étais pas déçu des Knicks? Hein? T'es pas déçu des Knicks? Non, parce que c'est une team comme... It's right in the middle. C'est toujours quatrième. Non, mais si t'es surpris de Celtics, tu dois être déçu de tes Knicks aussi. Mon cher. T'as dans l'ensemble. Parce que... Tu dois être déçu. Parce que t'es saisi que les Knicks, les Boston Celtics ont joué comme ça. Mais en même temps, t'es pas saisi que les Knicks ont perdu. Non, mais c'est overall, pas juste cette game-là spécifique. Tu en joues les deux games. Ok. Fair enough. Non, regardez, non, c'est mon point. Je suis un peu désappointé de mon squad. Et puis, j'espère qu'on va les reprendre au prochain match-up. Vous avez trois autres games, contre eux. Ouais, c'est ça, au prochain match-up avec un S. Ouais. Écoute, Memphis, je suis pas surpris. Mais non, je vais mentir. Le 0-3 me surprend. Malgré le fait qu'ils n'ont pas à dire, je m'attendais au moins à ce qu'ils gagnent une ou deux games dans leur match-up. Donc, je suis vraiment disappointé de leur part. Foot douce pour Portland Blazers. C'est ça que vous méritez. Et puis, c'est pas mal ça. Charlotte à Denver, je m'attendais à ça deux. Ouais, puis Dallas, pas aussi, parce que moi, j'ai dit que j'allais faire les playoffs, puis ça va être meilleur que la saison passée. Non, mais c'est pas une affaire de pas faire les playoffs, non, mais je trouve qu'il faudrait. Des surprises. Ils sont pas. C'est pas wow, là. Non. Le moi, W qui court. Ouais, non. Ok. Ouais. Moi, la team que surpris, c'est. J'aime bien, je pense que c'est une team que je vais root vraiment pour, c'est Detroit Pistons.
J'ai bet sur eux aussi, j'ai fait de l'argent. Let's go. Pistons, ils ont un bon petit squad. Ils n'ont pas tant de shooters, puis ils vont avoir besoin que Bogdanovic revienne, mais ils ont Kate Cunningham qui est back, puis le coach, ils ont le coach, l'ancien coach de Phoenix, Monty Williams, puis clairement, il va utiliser Kate comme Devin Booker. Là. So, tout va passer par Kate Cunningham, mais ils ont un center qui s'appelle Jalen Duren, et le partner, comme il gobe les rebonds, il fait des blocs, comme il protège le paint, là, puis il est athlétique, il bouge bien. So, je pense que les gars ont un bon début de squad, il manque peut-être quelques genre spot-up shooters, mais genre c'est un emerging team, là, je pense. Puis une team qui m'a il y en a deux, puis ils ont joué contre, c'était dégueulasse à voir comme game. Toronto Raptors versus Chicago Bulls. Oh my God. Ces deux équipes-là, comme j'ai regardé la game, je parlais avec mon cousin, je vois Toronto Raptors commence la game, genre c'est peut-être 18 à 3. Je dis, OK, fuck it, les Bulls doivent tuer tous leurs joueurs sur trash. Tout d'un coup, je vois, c'est 40 à 23 pour les Bulls. Oh, je dis, OK, fuck it. No. Les Raptors sont trash, ils doivent tuer toute le squad. Ouais. La game est à l'heure aussi. Yo, c'était horrible comme game. Yo, j'ai comme ces deux teams-là, j'ai déjà fini avec eux. Après, je dis, il ne faut pas overreact, mais ces deux teams-là. Il y a deux games pour les deux. Parce que ces deux-là, je pensais comme ils étaient déjà dans le bottom de ma liste. Comme moi, comme les Bulls, j'ai fini avec eux depuis quelques années. Okay. Parce que dès que le fait que Lonzo Ball n'a pas pu jamais jouer avec eux, l'expériment est écrasé. Oui, exact. Mais après ce que j'ai vu après une game, toi, les Bulls ont déjà fait un team meeting après une game. Ah, oui, oui. Team, sans les coachs. Sans les coachs, c'est fou là. Une game, t'as déjà fait un player only meeting. Ça veut déjà tout dire. Comme you guys are trash. La team va sûrement être blow up. Puis j'ai entendu que ça se peut qu'ils sont dans le running pour James Harden. So si tu dis que vous êtes James Harden, c'est top. Oh non. Les Bulls, Vague, puis Raptors, c'est top. C'est le final. Moi, j'allais dire Memphis. Ils m'ont plus déçu. Oh, pas, ça m'a surpris. Bad. habituellement, quand John Morant n'est pas là, ils sont quand même 500. Pax. Ils win the game. Pax. Ils sont plus le point guard. Là, il est parti. Et voilà. Là, cette année, mon gars, 0-3 pour faire la game, pour faire la saison sans Ja. Ça fait mal. Ils ont perdu Glue Guy. Ils ont joué contre des grosses teams, ils ont joué contre les Pelicans, ils ont joué contre les Nuggets. Le Wizard, not that much of a big team, but still very disappointing loss. So, je vois pas les Grizzlies sortir en haut de 500 jusqu'à temps que j'en reviens. C'est un bon state. Ouais. Juste avant, depuis la saison a commencé, est-ce qu'il y a eu un pool party à Washington ou pas comme ça? J'ai pas regardé les stats. Hier, je l'avais bête en haut de 22 points. Puis je pense qu'il a fini genre à 27, quelque chose comme ça. Il n'y a pas encore comme go crazy, mais il fait ses stats. Ben bon, alors là-dessus, est-ce que je l'avais mis? Ouais. Quels sont les joueurs qui vont. Quels sont les joueurs que vous devez parier? Jalen Duren, block. Il y a 10.5 rebonds. Tu le montes jusqu'à 13, 15 si t'es audacieux. Il est à 15 per game live. Yeah. Hey. 15, c'est le leader en rebound. Il y a aussi Osar Thompson dans la même équipe. C'est Small Forward, c'est un rookie. Pistons encore. C'est le boy Cam Thomas, quand Cam Thomas start, je joue le 30 points. Okay. Ouais, c'est il va go crazy. Mais je pense que c'est genre over. Son average, c'est genre over 22. Je pense qu'on va pas le choix. Puis je pense que je les hit genre 3 fois. Ouais, ça, quand il start, ouais, c'est go crazy avec lui. J'aime bien Mitchell Robinson, rebond dans ton équipe, dans les Knicks. One B puis Chet, oublie ça, ils vont ajuster leur bloc, mais. Cette semaine, les blocs 1B et Chet, t'aurais pu rax. Sinon, un gars que tu as checké, c'est Tyrese Maxey dans 76ers. Le monde, sont comme, Harden n'est plus là, mais comme Maxey est ready pour prendre le step. Comme, il l'a montré l'année passée aussi. Peut-être un potential all-star, genre. Absolument. Parfait. Moi, t'avais toujours à ajouter. Non. As-tu des joueurs, toi, que tu penses qu'il faudrait parier dessus? Moi, je vais toujours aller à Bradley Beal, point. Le gars, il joue même pas. Yeah, ouais, mais, you know. Ok, il va être là. Il va être là. Je te dirais que c'est un très hot take parce que là, il joue avec deux gars qui marquent beaucoup. Au point 15 points average de plus
ou tu dirais le 22.5? Ça dépend combien de points il doit faire, ouais. C'est ça. Mais moi aussi, je vais aussi avec qui a un hot hand pendant la game. Parce qu'il y a des defense, dépendamment de KD ou Bill, qu'ils ont plus de la misère. Donc, yo, ok, ces gars-là sont capables de bien me guard, kick it out, ou un de ces deux gars-là. On comprend. Mais je vois quelqu'un peut guard KD. Peut juste manquer sa shot. Ça, c'est absolument manquer sa shot. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, Sabonis avec Sacramento Kings, rebound. Ouais, c'est vrai, rebound. Yep. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. L'autre question, Big Man qui tirait 3 points. C'est comme ça que les Knicks ont perdu contre Boston. Porzingis a rentré, je pense, en 6-3 points sur votre face. Là, je vois que j'ai vu Anthony Davis lancer des 3 points. Anthony Towns fait ça depuis très longtemps. Mais lui, c'est chaud. Ouais. Donc là, j'ai vu des bricks. Oui, j'ai vu des bricks, en effet. Et puis, je vois que ben, Wemby. 3 points, Chad Big Man. Donc, tous les Big Men présentement qui rentrent dans la ligue, des 3 points. Est-ce que c'est le futur de la NBA? Est-ce que c'est ça qu'il faut pour gagner les games? Ou il faut arrêter tout de suite, puis retourner les Big Men dans le paint, ils continuent à prendre des rebonds, puis ils dunk sur les gars comme chaque creuset? Bon. Je vais laisser Nicolas commencer. Ça, c'est face à Quick, c'est le présent, by the way, c'est pas le futur, comme c'est déjà là. Tout le monde shoot. Les bigs, il y a des bigs qui veulent absolument rester dans le paint comme Gobert, puis si tu joues contre un big comme ça, ton big c'est shoot à 3 points, you gonna cook his ass. Mais je pense que c'est important de balance les deux, comme tu vois, tu dois avoir un poste qui peut shoot, mais il doit pas être toujours là à shoot, à part si c'est vraiment comme shooter là, comme Porzingis, lui il peut rester là tout le long parce que c'est pour ça qu'il est là. Mais on va dire Anthony Davis je peux le laisser shoot, mais il ne devrait pas être là à shoot genre 6 shots par game. Non. Ouais. Ça dépend du joueur. Comme Embiid peut shoot à 3 points, mais il n'est pas toujours en train de shooter. Quand il est hot, il la shoot, mais pas tout le temps. La même chose pour Jokic. Il peut shooter à 3 points, mais il n'est pas toujours là en train de jouer des breaks. Là. Facts. So, c'est vraiment comment tu manages l'affaire. Si tu laisses un non-shooter toujours shooter à 3 points, c'est toi qui es un mauvais coach. C'est même pas le joueur qui est con, là, c'est toi qui es un mauvais coach. C'est ça? Je suis d'accord avec Mizogod. C'est le présent. Et puis, c'est le game évolue. C'est ça qu'il y a maintenant. Je me rappelle à une époque où c'était des power forward qui jouaient quand même assez loin pour sortir leur mid-range. Ben Garnett, Paul Gasol, Chris Bosh. Avant, c'était pas comme ça, mais ça a évolué comme ça. Et je trouve qu'en tant que joueur de la NBA, tu dois avoir un arsenal complet. Si, yo, t'es une position, une possession game, on a lancé au shooting guard, il a manqué la shot. C'est le centre, c'est toi qui a la dernière shot. Bon, j'aimerais ça pouvoir te trust pour lancer un Hail Mary. Donc, je trouve que tant que tu remplis les stats qu'un centre doit remplir, rebound, block, assist, whatever, c'est pas le problème à ce que tu as 3 points. Mais si tu voyais Fleur dans le pin, on va avoir un problème. Mais si tu regardes ça, maintenant, la plupart des centers, c'est tous des power forward. Là. Ouais, quasiment. Mais oui, mais oui. C'est des power forward. Mais c'est comme la position, le point forward. Mais je veux dire, live comme Chet, c'est un power forward, c'est pas un center. Ouais, c'est un power forward. Porzingis, c'est un power forward, c'est pas un center. Comme. Non, c'est pas un center. Il a été joué par les Knicks. Anthony Davis veut pas être un center, il veut jouer power forward. Carl Anthony Towns, même chose. Lui, il est plus au centre, il est un peu plus gros nez que les autres. Il fait bien sa job de shooter la 3. Mais qu'est-ce que tu pensais de DeMarcus Cousins? Lui, c'est un centre. Mathieu? Comme Arda a dit, les centres, c'est rendu ça. C'est rendu pour que tu saches que tu as de la 3 points. Pas que tu sois Steph Curry de la 3 points. Mais pour still que tu prennes les rebounds, parce que tu es centre, tu es 7 pieds 8000. Prendre des rebounds. Puis ça va être ça, man. Le futur, ça va être des gars comme Wanby puis Chet. Puis malheureusement, man, on s'en va là, man. On s'en va que. Malheureusement? Oui, malheureusement. C'est plus des posterized, bro. C'était nice, man. Tu vas voir des posterized. Ah, pas comme ça. Tu vas en voir, mais tu vas plus voir du Shaq. Tu vas voir. Dwight Howard. Je trouve que dans le temps, dans le jeu basket, quand le center prenait le rebond dans le paint, en petit rebound, c'était un peu back down ta face. On va voir Jalen Duren. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Mais je veux dire, avant, tu voyais un pick and roll avec, mettons, ça, avec Kobe et Shaq. T'aurais vu Shaq drive le paint, mon gars, pour avoir un alley-oop ou une base de Kobe. Maintenant, ça va être un pick and roll. Puis là, ton point guard va roll sur le pick. Puis tu vas avoir ton center à la 3. Puis ton point guard à la 3. Pick and pop.
qui rentre dans le paint pour le game? Non, parce qu'il pense pas que le gars va manquer la chute, personne va pour le rebound. C'est vrai. Là, ça va être tout le temps comme, il y aura plus d'offensive rebound. Ouais. Là, moi, si t'es un center, tu m'auras 2-3 points dans la game, t'as fait plus que assez. Là, ouais. Tu un, je suis content en passant. Ouais. J'ai pas besoin de te voir shooter 6-3 points par game. Comme, c'est vraiment ça. Si tu sais shoot, comme Porzingis, voilà, t'es fou, okay. Voilà. Même Porzingis, je trouve qu'il force tellement les 3 points. Parce que la même façon qu'il peut t'entrer genre 5 en 8, il peut revenir une game puis te faire un 1 en 6. Genre. Quand c'est pas ta game, tu vas perdre la game parce que c'est juste ça qu'il peut faire, juste shooter à 3 points. Mais Laurent, s'il vous plaît, parle-moi plus de AD à 3. Non, lui, il bague. Oh non, non, c'est un emploi. C'est un emploi. Juste dire que les Big Men sont rendus fous. Non, mais les Lakers, lui, ils veulent que AD shoot 5 à 6, 7, 3 points par game. Non, Durham, Billy. Please. Please. No, you're right. But Birmingham, please. Please stop that shit. Mais tu vois, un bête parier, il dit 3 points, il va rentrer une. Mais juste avec, à cause du volume. À cause du volume. All right. Et puis, last question avant vos prédictions. S and West All-Star Game is back. C'est plus une histoire de capitaine qui choisit les joueurs. C'est une histoire maintenant que c'est les meilleurs de l'Est, les meilleurs de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout seul avec un. Ça va dépendre de comment les gars vont jouer. Parce que, présentement, je trouve que l'Ouest est beaucoup mieux que l'Est en tant que calibre. Dans leur position, moi, je trouve que l'Ouest est beaucoup plus solide que l'Est présentement en calibre. Toutefois, je voudrais que les gars jouent sérieusement. Je voudrais avoir une vraie game, que les gars jouent, que les All-Stars jouent. Il y a des change-up, il y a des stratégies pour rendre ça vraiment entertaining. S'ils jouent comme avant, puis bon, jusqu'à 150 points, ça, je m'en fous que c'est SOS, je m'en fous que c'est un capitaine, c'est de la merde à regarder. Kaza? Moi, je suis content qu'ils retournent à l'ancien système si les gars continuent à jouer hard comme ils ont fait. Depuis le décès de Kobe Bryant, comme les gars voulaient remettre ça compétitif. Exact. Au lieu d'aller scorer 200 points, ça allait ou pas chaque play. 75 points. Exactement. Comment ça, c'était vraiment clair. À cette époque-là, je vais même l'admettre, je ne regardais même plus le All-Star Weekend. Moi non plus. Autre que pour le 3-point contest et le dunk contest. Le All-Star Game m'intéresse même plus. Et personnellement aussi, j'aimerais ça qu'ils retournent aussi à... quand ils retournent au système, les jerseys de ton équipe originale au lieu de tout. En 2001-2002. Dans l'Ouest porte blanc, puis l'Est porte les couleurs de leur team. Ouais. Ouais, ça, ouais. Et puis aussi, que je n'aimais pas avec l'ancien système, c'était team captain, puis il pouvait prendre n'importe quel joueur. Maintenant, ouais. C'est par position. Exact. Donc, tous les gars qui dérangent dans l'Ouest vont être pick. Les gars qui dérangent dans l'East. Exactement. C'est plus nice, ça. Pour moi. Moi, littéralement, je m'en fous. L'All-Star Game. Je peux faire ce qu'ils veulent. L'All-Star Game, c'est juste. C'est fun si tu peux être au All-Star Game. So, moi, là, j'habite au Canada. Il faut soit qu'ils reviennent à Toronto comme si bientôt. Ouais. Puis même là, est-ce que je vais payer des billets pour aller voir ça? Non. Mais comme là, All-Star Game basket, c'est plate. Là. Comme, les games sont trash. Mais le dunk contest, il n'y a plus de contest. Non. C'est juste le shooting 3 points. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder l'All-Star Game. Puis il n'y a rien qu'ils vont faire. Le Rookie Challenge? Non, je ne regarde rien. Comme il n'y a rien qu'ils vont faire qui va me faire regarder le match. Là. J'aime mieux le Celebrity Game. Moi, personnellement, ce qui me ferait regarder le game, c'est voir les gars jouer. Comme tu veux voir cette comparaison-là. Tu vois, je vois les meilleurs joueurs jouer une équipe, puis jouer aux Jeux Olympiques. Durant le All-Star, leur petit tournoi qu'ils font, là, la finale devrait être le match à la place du match de All-Star Game. Je regarde ce match-là. Parce que c'est un match qui vaut quelque chose. Les gars, ils ne veulent pas se blesser. Ils font trop de cob. Ils se managent trop. Ils vont pas venir jouer une game défensive for real. Là. Tu vas juste voir comme des alley-oops ou alley-oops ou alley-oops. Les gars qui vont laisser Curry shooter 33 points. En plus, c'est tellement comme un narrative. Ils vont arriver, ils vont dire, OK, quelqu'un va faire quelque chose. On va dire, oh, LeBron, il peut dépasser tel joueur. OK, ils vont laisser LeBron faire tous les points. Ou ils vont dire, oh, Giannis peut faire telle affaire. Giannis va faire toutes ces stats-là. C'est ridicule. C'est ça, je veux pas regarder. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça va pas changer le produit. Parfait, Spenty. Si tu veux que ça change, si tu veux que les gars ils se forcent, faut que tu leur donnes quelque chose pour gagner. Moi, je dirais, tu donnes le home field advantage à l'Est ou à l'Ouest dans la finale, dans celui qui gagne la game. God damn! Ils font ça au baseball. Celui qui gagne la game, All-Star, a le home field advantage aux finals. In English. On cut that.
in English. Look at the camera. Tell them. If you want the All-Star game to be relevant, East versus West, winner gets home field advantage, finals. Donc, je pense même pas que ça aide. Non. On va le cut, on va le mettre, on va le share. Pour qu'ils comprennent, on va le tag. NBA. C'est, comment ça s'appelle, le NBA commissaire? Adam Silver, on va le tag. Il était en entrevue en plus, puis il disait genre, oh, les views pour le All-Star Game ont descendu. Et au bout de vrai, je pense pas. Qu'est-ce qu'il pensait? Mais tu vois, l'affaire de faire les gars choisir leurs joueurs, ça avait monté les views. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste qu'à la fin, le produit est still trash. Ouais, parce que les gars jouent pas. Les gars vont pas jouer plus pour Home Field Advantage. Ils vont là-bas pour avoir du fun. All-Star Game, c'est des vacances pour eux. Tu sais, c'est que ce l'affaire du Home Field Advantage, c'est quand c'est une game. Mais là, on joue des séries de 7. Le Home Field Advantage, plus il y a des games, plus le Home Field Advantage descend, le impact du Home Field Advantage. Mm-hmm. Comme, si je gagne mes 4 games chez moi, comme l'affaire qui arrive en playoff, si t'as pas le Home Field Advantage, je dis, je dois gagner une game away. Ouais, mais si je gagne toutes mes games chez moi, je suis good. Là. So, c'est pas un petit avantage. C'est pas assez que faire le changement. C'est pas assez pour impact. Surtout pour les teams qui savent qu'ils ont déjà gagné et qui sont des contenders de gens. Nuggets, don't give a fuck. Mais t'es une équipe qui veut faire un run the table out of nowhere. Peut-être que c'est important pour eux. Moi, j'ai LeBron maintenant sur les gars. même LeBron va être comme on peut l'avantage. Comme je sais comment gérer les playoffs. So, c'est vraiment ça. C'est pour les teams qui savent pas jouer en playoffs. Right. No names. Yeah. All right, guys. Prédiction. Il y avait 3 games vu que la NBA, vous savez, c'est pas comme la NFL. Il y a plusieurs games durant la semaine. Nous, on a dit qu'on allait prendre les 3 plus grosses games de la semaine pour nous. Premier game, c'est Knicks versus Cavaliers. Kaza, you go first, vu que c'est ta team. Je pense que les Knicks vont remontrer aux Cavaliers qu'ils sont meilleurs qu'eux encore cette saison, comme ils ont fait en playoff l'année dernière. Et moi, je vais aller avec Cavaliers parce que. Cavaliers, pour te dire, Allen est out. Puis Garland est quand même blessé dernièrement. Merci de me le dire, mais je crois que quand Mitchell est tout seul, il joue mieux. Ça, c'est mon opinion. Donc, Cavaliers. Je pense que j'allais avec Cavaliers parce que justement, les Knicks les ont éliminés en playoff. Mais live en ce moment, je pense que les Knicks sont un peu mieux que les Cavaliers. Mais les Cavaliers vont être meilleurs. Je vais prendre les Knicks juste parce qu'ils ont show up contre les Celtics qui ont perdu par 4. Leur équipe que les Cavaliers peut donner avantage. Ils ont eu 3 games de pré-saison contre les Boston Celtics. C'était bien ready. King versus Warriors, Spenty. Hide the beam, man. Hide the beam. Les Warriors ont fermé le beam game 1. It's alright. Les 2 games proches comme ça, je suis quand même surpris. On dirait qu'eux sont en playoff déjà. Donc, je vais aller avec les Kings. Deuxième game. Comme j'avais dit dans l'autre épisode, je pense à Sacramento cette année, ils vont aller plus loin qu'ils sont allés la saison passée. Je pense qu'ils vont battre Golden State. C'est comme si hard diff. Moi, j'allais à Kings aussi. Je pense que les Warriors. Comme je disais, des grosses équipes comme ça, malheureusement, elles vont les perdre. Warriors. Là, puis, ils nous ont battu là, cette semaine déjà. Battu? Ouais, ils ont joué quoi? Ouais. Puis Sabonis, c'est encore Cook. Non, pas Sabonis. Looney, encore Cook. Fucking Sabonis dans le paint. Yo, Sabonis. Bien. J'ai besoin que tu arrêtes de laisser Looney prendre autant de rebonds. Mon chien. Il me semble que Sabonis a eu 18 rebonds, non? Ouais. C'est pas grave. Lui, c'est normal. Il peut pas laisser Looney le massacrer comme ça. Okay, okay. C'est ça le problème. Mais ouais, mais c'est un revenge de revenge sur les Kings. 114 à 122. Ok, Curry 41 points. Ok. Ben, c'est pour le revenge game. Ok, ben, je veux avec les Kings still. Mais ouais, je suis même surpris. Clippers versus Lakers. Ouais. Mon boy, comme on m'a dit. Bon, à cause de Westbrook, malheureusement, il fait trop de turnovers. S'il n'y a pas de turnovers, Lakers are the way. Je vais avec Lakers. Attends. Je vais aller à Los Angeles Clippers. Je pense que Los Angeles va repartir. Fenty. C'est drôle ça. Ils ont-tu une game le jour avant? Parce que si on game le jour avant, il va avoir du time management. Kawhi ou Paul George. Ça va être bias dans mon. Il y a des bonnes chances qu'il y ait une game. On va dire qu'il n'y en a pas. On va dire qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est les Clippers. Je suis fier de toi. S'il n'y en a pas, les Clippers battent haut la main les Lakers. Il y a une game juste avant Clippers. Back-to-back. Tu vois back-to-back. C'est quoi qui la game avant? Orlando.
Ah, ça, ils, okay, vont rester en l'anneau. Ils vont perdre en l'anneau, ils vont gagner les Lakers. Regarde, moi. Ils vont rester sur les Lakers. Qu'est-ce qu'ils ont toujours dit? Ah, moi, j'ai les Lakers. T'es bon, Red. Moi, je vais aller avec Clippers aussi. Clippers, comme dans les dernières années, Clippers a quand même le edge dans la série. Lakers. Puis je pense que Westbrook, il joue quand même bien son rôle cette année. Il a l'air d'être à, quelques games il a joué. Il a l'air d'être confortable avec Clippers. C'est vrai, c'est vrai. So, je vais aller avec les Clippers. Puis les Lakers live sont juste trop. Ils sont durs à chose. Comme ça, tu sais pas, Westbrook joue avec Paul George. À OKC, ils étaient ensemble, je me rappelle, avec Carmelo back in the day. Anyways, moi, je suis sous le narratif que Kawhi, cette année, il ne va pas tant rest, à part s'il est vraiment injured, là, parce que c'est contract year, tu comprends? Faut que... faut qu'il monte. Faut qu'il secure le bag. That's why I'm here. And then... next year, though. On verra. All right, that was it for that NBA. Champions League. Ben, tu veux laisser... J'ai resté... Ouais, prendre le fort. Real quick. Oh, man. Je voulais pas en parler, mais malheureusement, comme vous avez dit, PSG a coupé Milan, pouvait pas stop Mbappé. On avait tout dit ça, donc. Tout dit. Mais j'avais aussi dit que la surprise du groupe qui allait arriver, est arrivée, Dortmund a battu Newcastle. J'ai dit que Dortmund était capable de sortir une bonne, était capable de win une game dans tout ce groupe de la mort. Ils l'ont fait contre Newcastle 1-0 à Dortmund, je pense. Ouais, à Dortmund. Là, ma question c'est pour toi là-dessus. Milan, ils vont à la prochaine étape? Moi, je believe encore. Oh, comment? Il reste combien de games? Je vais tout le temps believe. Il reste toutes les autres games. Toutes les games retour. Ils ont joué les trois premiers games, puis ils jouent les trois prochains. D'avant, il y a peur d'une autre dead. Le résultat de Newcastle est bon pour Milan. Pour Dortmund. Et Dortmund. C'est le groupe de la mort. Les quatre teams peuvent faire le groupe. Comme c'est pas un groupe facile comme tous les autres groupes. Les autres groupes, tu le sais déjà, c'est qui les deux qui vont win. Passer. Mais t'as besoin de win, il n'y a pas de draw là. C'est win. Si tu veux revenir sur un sujet que Matt puis nous autres on avait parlé, le Classico. Madrid contre Madrid. Bellingham. Is him. Oh, il a marqué à la 92e minute pour battre le Barça 2-1. C'est un gros but en plus. Outside the box, curler, mon gars. In the back of the net. That's it, man. J'ai ça à dire sur le soccer, man. Ouais, pas grand chose qui s'est passé. Il y a eu des choses qui se sont passées. Premier League, Tottenham est retourné premier. Arsenal est deuxième. Man City a battu Manchester United aujourd'hui pour la main. Ouais, un massacre. Voilà. Mais ça, on le savait. Manchester United est trash. Et puis, moi, ce que je voulais dire, c'est à quel point nos All-Stars de génération, je répète là-dessus, ont juste quitté un gros wow. Mais Messi a quand même gagné en Argentine, le dernier Coupe du Monde. Mais quand je trouve que, je sais pas, la manière que Ronaldo est parti. Ronaldo a still marqué 40 buts cette année. Ronaldo, où ça? Partout où il a joué. C'est où ça? À Al Nassr puis au Portugal. En total, il a marqué 40 buts. Il a dépensé. C'est ça, je voulais dire. Où t'as dit, je on s'en fout. C'est still le meilleur buteur de l'année. Oh. Mieux que Erling Haaland. Il y a plus de buts que Erling Haaland. Mais où tu joues, ça compte aussi. Voilà. Oui, 100%, je suis d'accord avec toi. Therefore, Messi aurait dû marquer plus de buts puis faire plus de passes. Oui, mais il joue même pas à tester la vidéo. Il est rendu dans le bail des States. I'm gonna rest some games. Lui, il est pas management. Non, c'est load management. Ouais, tu sais, il chill avec les gars de basket. Mais oui, mon gars. Malheureusement, il va probablement gagner son 8e ballon d'or demain. Which is, for me, devenu a fraudulent award. Parce qu'il y a deux ou trois que Messi aurait pas dû gagner qui a gagné. Oh. Mais dès que tu parles de award, c'est souvent fraudulent parce que. C'est comme Miles Garrett disait, le MVP c'est de rendre un QB award seulement, genre. Comme il n'y a aucune chance que notre position gagne le bail. So, c'est des gens qui décident, puis ces gens-là ont des narratives à pousser, puis that's it. Yeah. Business. Yeah. All right. So, sur ce, guys, like, share, subscribe, comment, post on your story. Puis si vous voulez venir parler après l'épisode, DM. On est sur TikTok, YouTube, Insta, Facebook et X maintenant. Twitter. X.
C'est comme c'est quoi ça. Donc, c'est ça. Donc, anything else? Non. Non, on se voit la semaine prochaine.